Ça va aller plus vite.
Thank you.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cet après-midi, dernière après-midi de compétition Trophée International 3 Pistes 2019. On va être ravis avec Pascal de passer l'après-midi avec vous. Voilà, on va commenter les courses, on vient d'avoir, vous l'avez vu sûrement sur les images, un petit peu avant qu'on arrive à l'antenne, presque le championnat du monde des minis. Des minis, ouais. Ça ouais. Fait vraiment plaisir de voir ces jeunes patineurs, l'émotion qu'il y a. La joie ou un peu la tristesse selon les résultats dans la course précédente. En tout cas, voilà, ils ont goûté au moins un petit peu de saveur des trois pistes. Maintenant, on va arriver avec donc un programme de course qui se déroule dans l'ordre des catégories, hein, tout simplement. On va des plus petits avec les poussines et poussins, les benjamins et les benjamins. Ensuite, on commencera à avoir des finales à points pour les cadets, junior B, junior A et on terminera avec le spectacle, avec une course particulière. Ça ne sera pas une course à points pour les seniors dames et les seniors hommes, ça sera une course à prime avec un sprint de 30 euros tous les kilomètres. Voilà, j'ai discuté avec quelques seniors tout à l'heure et apparemment ça va animer un petit peu la course et chacun va vouloir se montrer devant. Donc ça risque de promettre des courses intéressantes. Pour le moment, on a les poussines sur ligne de départ qui sont, elles sont 24. Elles vont parcourir 2000 mètres, soit 10 tours. Pour cette finale, avec en tête du classement apparemment la patineuse numéro 10 du club de Bogota Elite, en tête du classement les trois pistes pour le moment avant cette dernière manche. Voilà, la colombienne qui a fait forte impression avec ses partenaires sur la piste. Et en deuxième position, on va retrouver la petite Dorine de Saint-Pierre-les-Elbeufs qui truste les premières places sur les courses françaises et qui hier était un petit peu agacée de terminer deuxième. Ces graines de champion qui montrent déjà des caractères assez imprégnés sur la course. Voilà, allez, on est parti donc dans cette catégorie poussine. 2000 mètres, ça va correspondre à 10 tours seulement. En 10 tours seulement, ça fait pas beaucoup hein, pour nous, mais je peux vous dire qu'à cet âge-là, c'est déjà assez éprouvant. On retrouve déjà pas mal de tactiques, beaucoup de placements. Hein. Voilà, finalement, ça ressemble quand même à un peloton de seniors dames. Il y a un petit peu une petite différence de vitesse, mais en termes d'un point de vue tactique, on retrouve les mêmes habitudes. On essaie de se placer dans les 5 premières, on joue un petit peu des mains pour se faire sa place discrètement sans que les juges puissent le voir, et on prépare son sprint d'ici quelques tours. Le club de Quingé, voleur de l'Est de la France qui se montre aux avant-postes, alors qu'il reste 8 tours à parcourir. Alors, on essaie d'accélérer un petit peu l'allure. Pour aussi éviter les chutes, c'est vrai que quand ça roule trop lentement, il y a beaucoup de remplacements, il y a un petit peu plus de risque de chute.
Ah, puis il faut pas oublier non plus que on a fait 3 jours de compétition avec beaucoup de déplacements, des nuits relativement courtes. Et souvent le dernier jour, malheureusement, c'est le théâtre de quelques chutes qui peuvent faire mal. Donc souvent les patineurs vont chercher à s'extirper du trafic pour pouvoir éviter tout conflit. Pour le moment, en tout cas, c'est propre techniquement. On est à une belle position technique de cette première patineuse de 15 heures. On utilise les bras toute la ligne droite, mais aussi une belle poussée, une belle position, bien aérodynamique. C'est parfait. Un peu de prise de carré externe également pour améliorer la glisse dans la ligne droite. Ça permet vraiment de s'économiser, d'avoir une bonne technique de patinage. Maintenant, ça n'empêche pas non plus de se fatiguer quand on est en tête. Ah, ça permet à l'autre patineuse de son club de venir se replacer en deuxième position. Un petit travail technique, mais la patineuse de Bogota ne se laisse pas faire. Elle a décidé de contrôler la deuxième place. C'est sa maison. Pour le moment, elle est vraiment en bonne position. Elle laisse un petit écart pour pouvoir se protéger, se dégager si elle veut aussi, pour pas se faire enfermer. Elle regarde bien à l'extérieur au cas où quelqu'un remonte. Donc ça va être, à mon avis, difficile de la battre encore aujourd'hui. Elle fait preuve d'une maturité technique et tactique tout au long de ce week-end qui impressionne pour son jeune âge. Ouais, Dorine Monnier toujours en troisième position. En quatrième position, on trouve une patineuse espagnole. Allez, petite bataille pour la deuxième place. Cette bataille entre la française et la colombienne. Pour le moment, la colombienne maintient son poste. Deuxième, il doit rester peut-être 3 tours, j'imagine. On ne doit pas être loin. Oui, on ne doit pas être loin. Ah, des avertissements qui commencent aussi à tomber du côté du corps arbitral. Ça veut dire que il y a des contacts entre les coureurs. Ça prouve l'engagement dans cette course. Allez, un petit peu plus de 400 mètres. Et la patineuse de Colombie qui part avec la française dans sa roue. Ah, il y a du rythme, il y a de la fréquence. Là, le sprint, il est vraiment lancé. On va faire 400 mètres à fond, c'est long. C'est long dans cette catégorie, mais ça permet à... Et puis la française qui s'accroche très très bien, elle va essayer de chercher un petit peu la bosse. Ouais, là c'est la petite différence entre les deux patineuses françaises, c'est que la colombienne elle prend les bosses en entrée et en sortie de virage, la française elle a tendance à sortir juste sous la bosse. C'est un petit peu plus dur de coup pour la ligne droite, en tout cas la colombienne elle maintient son rythme, elle attaque les entrées de virage, elle attaque les entrées de ligne droite. Et là, elle commence à faire un petit peu le break, elle a 3 longueurs d'avance. Elle derrière, 60 mètres à parcourir. Ouais, derrière, le peloton a complètement explosé. En un tour, il y a vraiment des écarts assez importants. En tout cas, voilà, la colombienne, elle va, je pense, du coup, inscrire son nom au palmarès de 3 pistes dans la plus petite catégorie, presque. Bravo. Deuxième, la française. Un peu déçue, mais je pense que voilà, il n'y a pas de quoi. La concurrence était vraiment rude en face. Il n'y a pas de quoi rougir par rapport aux courses qu'elle a produites tout au long du week-end. Et puis... elles auront à cœur de s'améliorer tout au long des années qui s'offrent à elles. Voilà, en tout cas une course bien propre, un peloton assez compact pendant une majorité de la course. Un sprint intense lancé à 400 mètres. Voilà les petits drapeaux colombiens. Voilà, qui montre le drapeau. Les Colombiens qui aiment beaucoup montrer leurs couleurs. La fierté nationale est importante. C'est ce qui fait aussi leur force. On voit bien quand ils arrivent en championnat du monde, c'est vrai que si dès tout petit comme ça, ils ont cette culture du drapeau, on va dire, pour faire simple. En tout cas, quand ils arrivent en championnat du monde, c'est vrai que la Colombie, ils sont numéro 1 en roller, c'est pas pour rien. Ils sont forts, mais on sent vraiment cet élan, cette culture nationale qui est très très forte. Ah bah le roller est le numéro 2 en sport national, je crois, après le football. Il faut dire qu'il y a eu un réel développement au début des années 90 pour développer l'intérêt sur le roller. Et c'est vraiment, vraiment un impact différent lorsque les coureurs gagnent ou sont champions du monde. C'est une autre culture, comme on dit. D'ailleurs, on risque d'avoir les championnats du monde en Colombie l'année prochaine, il me semble. Cette année, ça sera à Barcelone, en mois de juillet. L'année prochaine, on sait que c'est en Colombie, on ne connaît pas encore la ville. Je vois qu'il y a pas mal de batailles sur les réseaux sociaux pour savoir quelle ville colombienne aura la chance d'accueillir les championnats du monde. Et puis ils ont l'avantage d'avoir des infrastructures relativement importantes, un nombre important sur le territoire. Et puis ils n'hésitent pas d'ailleurs à construire régulièrement de nouvelles infrastructures. Je me souviens du championnat du monde de 2010 à Guarnay, où ils avaient construit à la va-vite le circuit routier, et le bitume n'était pas sec au moment du championnat du monde.
En tout cas, depuis, il a eu le temps de sécher. Voilà. Ils ont organisé pas mal de compétitions, d'ailleurs, nationales, des Coupes de Colombie, des qualifications. Et on voit souvent des compétitions sur la télé colombienne, d'ailleurs. Mm. On peut suivre également sur les réseaux sociaux via le site, sur la page Facebook de la Fédération colombienne. Et puis des anciens champions du monde qui sont toujours très très actifs pour cette fédération colombienne. Je pense à Cecilia Baena maintenant qui est responsable du développement au sein de sa fédération et qu'on voit régulièrement poster des photos, des séminaires et tout. Pour le moment, on a les poussins au départ, ils sont 27. Ils vont faire parcourir également 2000 mètres, soit 10 tours. En première place. C'est le dossard numéro 25. Ouais, patineur de Boigne, un patineur français de la région nantaise. Le même club que Ewen Fernandez. Qu'on salue. Champion du monde, 8 fois champion du monde de roller d'ailleurs. Ouais. En deuxième place, encore un patineur de Loire-Atlantique. Le club de Bouguenay. Avec le club de Bouguenay. Ensuite, il me semble, un patineur de Coulaines. Non, c'est Mamers. C'est Mamers. Mais c'est pas très loin. C'est pas très loin. Et le Colombien avec sa combine jaune de Bogota Elite. Allez, c'est parti. Allez, tout de suite, le patineur de Bogota, il a la même tactique que sa collègue en poussine. Il se glisse à la deuxième place. Et là, ça part plus tranquillement. Personne ne veut prendre les responsabilités, personne ne veut mener pour le moment. C'est donc une course où il va falloir avoir des qualités de peloton impressionnantes. Du coup, l'agilité, là, il va falloir se placer et faire attention à ne pas accrocher les patins. C'est justement dans ce genre de moment de tempo un peu lent que les patineurs ont tendance un petit peu à s'accrocher. Ouais, c'est aussi à des moments les plus sympas. C'est vrai que quand il y a beaucoup de proximité dans le peloton, c'est presque un jeu. Alors pour nous, ça nous paraît compliqué de l'extérieur. Mais quand on est dans le milieu du peloton, que tout le monde se déplace à plus ou moins la même vitesse, c'est une situation assez ludique aussi que d'avoir à slalomer entre tout le monde comme ça, de pousser un petit peu, de faire sa place. En tout cas, là, ils jouent vraiment le jeu de... Ils vont pas s'arrêter, mais on va pas très vite hein, quand même. Non. Par contre, ça bastonne. On voit, il y a pas mal de fautes. À mon avis, on va entendre quelques avertissements. Et du coup, le club de Bogota obligé de mener la danse. Et c'est un autre patineur qui s'est positionné aux avant-postes. Avec une petite double poussée, jolie technique là pour ce patineur du club de Motz, je crois. Oui, je pense que ça m'a l'air d'être couleur de l'Est. Ouais. À Motz, il y a. D'ailleurs, c'est dans cette ville qu'il y a le départ de la Rolathlon, une course de la plus longue course de France, 103 km. Et l'une des plus grandes du monde aussi. Ouais, il y a quelques courses un petit peu plus longues, notamment Athens to Atlanta aux États-Unis. Alum qui va faire aux alentours de 100 km en Hollande, en tout cas Motz, je crois que ça part de la même ville, Tarmelaine, une boucle de 103 km, ouais. Un parcours magnifique, ouvert à tous les niveaux. Donc voilà, je vous invite à aller faire un tour, notamment sur le site de la fédération ou sur les Facebook pour voir les infos sur cette course, c'est vraiment une course géniale. Mais c'est un autre registre que la piste. Ouais. 103 km là c'est différent, on n'a que 2 km à parcourir et une petite accélération d'ailleurs du patineur, un collègue du même club apparemment, le dossard 3, alors qu'il va rester je pense 3 tours à parcourir. On a décidé de durcir, du coup tout le monde est en file indienne là, faut bien choisir sa place en amont de cette action parce que là c'est parti maintenant. Et d'ailleurs le club de Bogota qui s'est fait surprendre par cette accélération, on le voit plutôt à la 10e position. Ouais. Les patineurs de Bouguenay en rouge et noir qui viennent se replacer. À mon avis, Stéphane est en train de s'énerver sur le bord de la piste pour dire à tout le monde attention, faut pas se faire piéger, faut remonter maintenant. Il doit probablement rester 500 mètres. Deux tours et demi de piste. Voilà, toujours le même patineur. Voilà, léger ralentissement, le patineur de Bogota en profite. C'est une belle action ça. Il a profité, il a attendu le moment du ralentissement pour produire son effort et venir remonter. Mais il n'a pas réussi à trouver la faille pour rentrer dans le peloton. Il se refait piéger à nouveau, en tout cas sur l'extérieur. Peut-être que deux tours à l'extérieur, ça va lui coûter cher. Ouais. Et c'est le club de Bouguenay qui a lancé l'accélération. Accélération, alors est-ce que ça va être la cloche? Je vois pas le juge prendre la cloche. Donc encore deux tours, un peu plus long. Encore 400 mètres à parcourir, l'allure est déjà forte. Bouguenay en tête, suivi le patineur de Bouguenay avec le 225 en troisième position, le patineur de Bogota. Et sa jolie combinaison noir et jaune qui me rappelle moins les couleurs de Salomon à mon époque. Effectivement.
des patineurs qui, de Bogota qui ont changé de couleur par rapport à l'année dernière. Voilà, en tout cas, fidèle aux trois pistes. Et voilà, et c'est la cloche qui est retentie. C'est parti, 200 mètres à parcourir. Le club de Bougnay en tête, Bouet en deuxième position, Bogota prêt à la relance en troisième position. Le club de Moss en quatrième position. Moss en quatrième et Mamers en cinquième. Voilà. Et c'est Bouet qui tente maintenant l'extérieur et qui réussit à dépasser le club de Bougnay. Il s'est bien parti pour la gagner. S'il tient bien sa corde, ah non, il ouvre un petit peu le patin, ça se jette à l'intérieur. Est-ce que ça va suffire? On va sûrement avoir un lancer de patin pour l'arrivée. Oh, je pense que c'est Bouet, mais je ne suis pas sûr. Alors, en général, je suis bon pour voir ça, mais là, c'est un petit peu trop serré. Je n'arriverai pas à zéro temps. C'est peut-être une demi-roue d'avance pour le patineur de Bouet, mais c'est le Colombien qui gagne, il est revenu vite. Hein. Ouais. Bravo à Ivan José Céspedes Pérez, le patineur de Bogota. Deuxième course, deuxième finale de la journée. Remportée par les patineurs colombiens. Ouais. Bon, on vous rassure, ça devrait changer pour les courses à suivre. Alors, je ne sais pas si on va rassurer les Colombiens en disant ça, mais, les patineurs français éventuellement se réveiller. Voilà, un petit bisou de maman. De maman, bravo. Ah ouais, on a du mal à remettre le drapeau au bon ordre. Voilà, pour la photo, c'est magnifique. Et bravo. C'est sûr que les trois pistes, ça fait toujours aussi des photos sympas, des vidéos sympas. Voilà, une belle image en tout cas avec ce patineur qui fait son petit tour, demi-tour de gloire du moins. Avec le drapeau de son pays, il va sortir de la piste maintenant pour laisser place au Benjamin. Et Benjamin qui elle bon, s'est lancé pour un 3000, donc ça fait 15 tours à parcourir. Elles sont 30 au départ. Et c'est une course en ligne. Donc ça veut dire que la première qui franchit la ligne gagne la course et peut-être le trophée en fonction de son classement général. Ouais, c'est les courses les plus simples, mais des fois aussi les plus spectaculaires. Moi, j'aime bien les courses en ligne comme ça, sur les petites distances, le 3000 en ligne. C'est beaucoup de placements, c'est assez subtil. Beaucoup de vitesse. Et du sprint, voilà, un joli sprint en fin de course. Moi, je trouve ça génial. Ça permet aux sprinteurs de pouvoir rivaliser. Ça oblige les fondeurs aussi à développer leur point de vitesse. Mais en général, à haut niveau, les fondeurs vont presque aussi vite que les sprinteurs. Et Bartnaud l'a d'ailleurs bien démontré ce matin sur le 1000 mètres en gagnant le 1000 mètres devant le champion du monde en titre, Gwenda Le Pivert, sur sa piste incurvée. Ouais, il a profité un petit peu du remue-ménage créé par Jimmy Jouette, le patineur du RAC Saint-Brieuc. Et il a réussi à aller chercher la queue pour prendre la meilleure place et rebondir. Voilà, si vous n'avez pas vu la course du 1000 mètres ce matin, n'hésitez pas à aller revoir le live parce que la course des filles a été vraiment tactique et plein de retournements de situation dans les derniers tours. Et chez les garçons, on a eu une situation assez ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Jimmy Jouette a fait le spectacle, il est arrivé en finale. Déjà, c'était une super perf, je pense. Pour lui, ouais. Mais du coup, il a attaqué d'entrée et il a tenté de s'échapper dès le départ. Ça a mis un petit peu de pression à tous les sprinteurs, à tout le monde. Ça s'est un petit peu regardé et il a vraiment créé de suspense. Voilà, si vous voulez retourner voir cette vidéo, d'un point de vue tactique, c'est génial. Je crois d'ailleurs que Target en a fait une vidéo qui s'appelle Move of the Day et avec un petit exemple sur cette attaque. Donc il me semble que, voilà, à mon avis, Vincent devait coacher sur le bord de la piste, Vincent Morvan, mais Rémi Hubert devait être à l'affût, prêt à enregistrer les images pour pouvoir nous monter cette petite séquence. Il n'a pas traîné. Et je crois que dès ce midi, il me semble avoir vu passer sur les réseaux sociaux. En tout cas, on vous invite à aller vous abonner à leur chaîne YouTube. Ah, ils font des analyses très intéressantes. Et en tout cas, là, on avait un exemple sympa de tactique qu'on n'avait pas vu depuis pas mal d'années. Et qui n'était pas prévu au départ, puisque Jimmy me disait tout à l'heure qu'il comptait partir plutôt à 3 tours, mais quand il a vu que le peloton ne partait pas, il a dit je sors le tout pour tout et je pars dès le départ. Voilà, donc un bel exemple entre stratégie et tactique. Stratégie, c'est ce qu'il avait préparé avant la course, et la tactique, il s'est adapté. Il a vu qu'il y avait une opportunité, il l'a saisi. Ça n'a pas payé, mais ça nous a permis d'avoir un spectacle de qualité. Voilà, exactement.
Alors que sur la piste, les Benjamins ont déjà fait un tour. Et là, même stratégique que tout à l'heure, on retrouve le club de Bogota Elite en deuxième position. En deuxième position. Bon, voilà. Les consignes sont claires, du moins du côté de ce club. On a décidé de rester au minimum dans le top 5, mais au mieux en deuxième place. C'est vrai que c'est la place idéale pour s'économiser. En tout cas, les autres patineuses ne se laissent pas faire, puisqu'on vient vite se replacer. Et derrière, à Bogota, on se retrouve au milieu de paquet assez rapidement. Donc ouais, ça va pas être une course aussi facile peut-être pour les Colombiennes dans cette catégorie Benjamin. Alors que c'est Francine Pujol qui mène cette course maintenant. Ouais, un petit peu à l'image de ce qu'elle a fait hier, je crois que ça, peut-être que ça la rassure d'aller devant. En tout cas hier elle a beaucoup mené il me semble, et aujourd'hui rebelote, elle utilise la même stratégie. C'est une patineuse qui présente un gros physique de foncière. Et qui du coup reste bien, enfin qui a la capacité pardon de rester devant pendant pas mal de tours et surtout de forcer un peu la course. Et on voit que là le peloton, même s'il est relativement groupé, il est plutôt compact, il y a plutôt presque trois lignes sur une ligne droite qui fait 6 mètres de large. Belle piste de Gujan-Mestras, 200 mètres de long, 6 mètres de large, de type parabolique, c'est-à-dire que les virages sont plats à l'intérieur, relevés à l'extérieur. Ce qui oblige les patineurs très rapides à patiner à l'extérieur et ce qui permet aux patineurs un peu moins rapides de couper un peu les trajectoires en prenant corde, mais il va falloir relancer. En tout cas, chez les plus jeunes catégories, on n'hésite pas à garder sa corde, on va pas assez vite pour vraiment élargir. Non. Éventuellement, on utilise un petit peu les bosses en sortie de virage pour venir se replacer, mais on est encore un petit peu juste en termes de vitesse. Là, on est à peine plus de 30 km/h. Dans ces catégories-là, ce qui est déjà énorme quand même. On voit quelques contacts avec quelques mains qui se baladent à droite à gauche, ce qui est preuve que le peloton est relativement compact. Alors que c'est les couleurs de Bougnec qui sont en tête de la course. Allez, on peut vous annoncer aussi à partir de la catégorie cadette, on aura quelques lots à vous faire gagner. Pendant les 6 courses, donc de la course 29 jusqu'à la course 34 incluse, on aura quelques petits cadeaux à vous faire gagner avec le même principe qu'hier sur le principe des pronostics où vous devez essayer de trouver les 3 premiers ou les 3 premières de la course. Dans le bon ordre. Voilà, oula, petite chute de la patineuse de Bougnet. Apparemment, chute individuelle. Non, deux patineuses de Bougnet malheureusement qui sont tombées, il me semble. Ouais, et qui n'arrivent pas, qui ne sont pas reparties. Alors que du côté de la course. Mais sur la course, c'est quand même une patineuse de Bougnec en tête, il me semble. Non, c'est une espagnole. Voilà. Les combines se ressemblent beaucoup d'ailleurs c'est entre ça. Ces deux clubs. Voilà, toujours la patineuse espagnole en tête, suivie, je crois, d'une patineuse colombienne. Oui, c'est bien le cas. À l'extérieur, Pibrac vient se replacer avec ses deux patineuses. Bon, ça sent le travail d'équipe. Là, il y a une patineuse qui en ramène une autre. Ça permet d'économiser les efforts. On doit se rapprocher sérieusement de l'arrivée, peut-être au moins du dernier kilomètre. Et voilà, on se replace en tête avec pour les deux patineuses de Pibrac. Et on assure l'allure. Là, on a vraiment une volonté de travailler en équipe, ça c'est clair. Le peloton qui s'est légèrement étiré. La Colombienne du club de Oyol, ou Ocol, je ne sais pas trop comment on prononce. Hop, nouvelle chute encore à l'arrière du peloton. Bon, plus de peur que de mal, ça se relève vite, ouais. C'est très bien. Patineuse italienne, je crois. Alors que toujours le club de Pibrac est aisément passé, cette fois-ci il n'y a que Francine Pujol. Et les clubs colombiens et espagnols qui sont passés par l'extérieur et qui sont remontés en tête de la course. En tout cas, beaucoup de changements de situation, personne n'arrive à vraiment contrôler pour le moment. Trois tours donc sur la ligne et un demi-tour, ça fait 700 mètres, on est à moins de 700 mètres de l'arrivée maintenant. À mon avis, c'est le moment capital pour venir prendre la bonne place avant de lancer le sprint à l'extérieur. Justement, les Colombiennes font l'effort pour remonter en tête. Alors, est-ce qu'elles vont avoir la même stratégie que leur partenaire, à savoir lancer le sprint à deux tours de l'arrivée? Il reste 500 mètres à parcourir, deux tours et demi. Et c'est pendant la patineuse espagnole qui est en tête. Juste derrière, on retrouve les couleurs de Pibrac. Deux tours, ça va forcément démarrer. Et voilà, c'est parti. Les patineuses espagnoles qui sont partis à l'avance. À Pibrac, on vient prendre la deuxième place. C'est bien joué, c'était le bon moment. Il restera 300 mètres à parcourir. Maintenant, c'est le moment de faire parler sa pointe de vitesse, de garder sa corde, de fermer les trajectoires. Et d'ailleurs, la
Et ça roule large quand même. Pire en deuxième position. On n'a pas réussi à suivre exactement. Il y a un petit léger break de réalisé par la patineur numéro 65. En troisième position, la Colombie avec le club de Rocol qui relance avec corps pour double et puis braque éventuellement dans la ligne droite. Ça va être juste, mais avec le vent de côté, ça va passer, j'ai l'impression. Voilà, la Colombie voilà. Dans la place, Pibrac en troisième, mais devant, largement, l'Espagnol qui va remporter le trophée des trois pistes. Ça, c'est deuxième, la Colombie, troisième, Pibrac relance le patin avec Bougnet pour la quatrième place. Voilà, hein, le peloton encore assez compact, là, quand même. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire, finalement, à part par quelques patineuses qui ont subi l'accélération, le peloton est assez groupé. Ouais, fallait pas faire d'erreur, on avait vite fait de faire 3e ou 10e sur cette course. Il y a vraiment un niveau assez homogène. Hein. Et c'est relativement impressionnant de voir ces jeunes patineuses arriver en paquet. Voilà, il y a un petit peu de cafouillage à l'arrivée. Et voilà, c'est corrigé. En tout cas, bravo à l'organisation. On voit que ça s'enchaîne bien. Les patineurs et les patineuses sortent rapidement de la piste. Ça revient rapidement de l'autre côté. Enfin, du même côté actuellement. Bon, le vent qui se lève un petit peu. Ouais, commence à faire alors... un petit peu froid. Ouais. Et on en profite pour saluer l'organisation hein, qui organise sa 33e édition, je crois, des trois pistes. Une organisation rodée, mais qui fait preuve aussi d'aménagement comme la course à prime qu'on verra ce soir. De manière à rendre un petit peu plus spectaculaire les courses qui nous sont proposées. Les trois pistes, c'est la classique des classiques. Hein. C'est la course que tout le monde veut mettre à son palmarès. En gros, dans une carrière, quand on est senior, on veut un titre de champion du monde et une victoire en trois pistes. Et c'est d'ailleurs pour ça que cette année, Bart Swing, le médaillé olympique sur glace, le champion du monde de roller, n'avait jamais gagné les trois pistes en senior. Il est venu cette année avec cet objectif. Et je pense qu'il est bien parti pour remplir. Pour le mot, il a gagné toutes les courses. On a eu 5 épreuves, il en a gagné 5. Il est venu, il n'est pas venu tout seul non plus. Non, il est bien le renfort avec Valentin Thibault, Timothy, bon sprinter. Super sprinter, voilà. Idéal pour le replacement, idéal aussi pour faire un peu de ménage pour garder la bonne position. Avec son bon gabarit, dans le même style, pour garder la place, on a Félix Reinen, mais Félix peut aussi mener beaucoup de tours, c'est une machine. On l'appelle d'ailleurs Big Félix. La semaine dernière, il était à la Coupe d'Europe à Gazingen, et le lendemain de la course, pour faire sa récup, il faisait pas moins de 1h30 sur piste. Voilà, 1h30 sans s'arrêter sur piste pour dérouler le lendemain une compète. C'est pour vous montrer un petit peu le niveau du bonhomme. Et pour compléter l'équipe, il y a le local de l'étape, Timothy Lubino, qui connaît parfaitement cette piste, qui donne tous les petits tuyaux à Bart, j'imagine, pour bien avancer ouais. Même s'il a pas besoin de tant que ça d'aide. En tout cas, Timothy, c'est sûr, il connaît les derniers petits détails qui font la différence. D'ailleurs, ça marche puisque Bart, il a battu ce matin Gwendal Le Pivert, le champion du monde en titre du 1000 mètres. Sur une piste que lui aussi pratique pour connaît très bien régulièrement. Ouais. Et à ce niveau-là, c'est vrai que les petits détails comptent énormément, le choix des roues, les trajectoires. Donc, on a fait une belle bataille et ils vont avoir une dernière course tout à l'heure chez les filles. On a eu un retournement de situation aussi. C'était Marie Dupuis qui était en tête du classement général, qui courait vers sa première victoire. Et ça aurait été une jeune victoire, il me semble que c'est sa première année senior ou deuxième année senior. Première année senior. Elle était en junior l'année dernière. Elle arrive aux trois pistes. Elle est en tête du classement général au début de la dernière journée. Malheureusement, elle fait que 5e au 1000 mètres. Et Juliette Puy de Barre en a profité pour remonter. Elle a 3 points d'avance avant la dernière course. C'est encore serré. Ouais. Il va falloir compter sur sa coéquipière Marine Lefebvre pour essayer de mettre un écart entre elle et Juliette pour pouvoir éventuellement remporter le trophée à la fin de la journée. Allez, c'est parti pour les Benjamin. En tout cas, 28 patineurs au départ, 3000 mètres à réaliser, 15 tours. C'est quasiment la même configuration que la course précédente. Ils sont un petit peu moins nombreux que les Benjamin. Deux patineurs en moins sur la piste. En tout cas, ça part aussi vite. Ça part avec un peloton qui a l'air bien compact, bien homogène. On retrouve les couleurs de Rosé, un club Pays de la Loire qui est en tête, suivi derrière d'un garçon qu'il faut surveiller, hein, Martin Fauchet du club d'Avançon, qui promet un bel avenir. Martin Fauchet du club d'Alençon. Alençon vient d'organiser la Coupe de France des Ligues récemment sur ce circuit. Un joli circuit, ouais, très tout complet, récent. Très très complet, un petit peu physique avec une petite montée. Voilà, une diversité de virages, une petite piste accompagné d'un circuit routier, c'est parfait pour s'entraîner et ça donne tout de suite des résultats. La preuve,
ce patineur d'Alençon, il est bien classé aux trois pistes et il peut jouer le podium dès ce week-end. Sur cette dernière course du moins. En tout cas, là c'est compact. Sacha Uttamal aussi au milieu du peloton. On prend des points d'expérience, on essaie de remonter. L'idéal là encore, hop, la chute au milieu du peloton et un patineur du Verès qui tombe malheureusement, il tombe à deux, ça se relève pas tout de suite. Mais ouais, on sent la déception, il y a plus de peur que de mal, ça se relève maintenant, mais c'est la déception de tomber le dernier jour. En tout cas, ils sont tombés à deux, les autres ont fait preuve de pas mal d'agilité pour éviter ça. C'était pas si évident que ça à l'entrée du virage. Et ça y est, de côté du peloton, on a essayé d'accélérer justement pour éviter de nouveaux contacts et de nouvelles chutes. Ouais, malheureusement, il y avait un patineur de Bouguenay, il me semble, dans la chute aussi encore. Ouais. Alors, trois patineurs qui ont été sanctionnés par cette chute. Ouais. Alors, on retrouve encore. Sinon, le club de Rosé toujours en tête. Ensuite, Mérignac. Ouais, local quasiment, de l'étape. Hein, quasiment un local de l'étape aussi, du coup. Ils sont pas très loin de Gujan-Mestras. En tout cas, ils courent sur sa région. Le Grol qui se replace régulièrement aussi. Ah, une petite accélération en tête. Et c'est également un patineur de Mérignac, d'ailleurs, il me semble, qui vient un petit peu durcir l'allure. Parce que... Non, c'était Bouguenay. Ouais, voilà, ça chahute un peu avec le Grol en deuxième position. En tout cas, voilà, là, le peloton il s'est étiré, il y a un petit peu moins de placement, ça veut dire qu'on se rapproche probablement du dernier kilomètre. Et qu'il va falloir commencer à durcir la course si on veut remporter le trophée des trois pistes. Alors que en troisième position, on retrouve celui qui menait le peloton tout à l'heure, qui doit se refaire la cerise, comme on dit dans le jargon technique. En tout cas, là, il ne se pose pas de questions. Il roule à fond, hein, le 35, il a décidé de faire mal au peloton, de l'étirer. Il avait peut-être du mal à se placer. Il s'est dit, si je durcis, peut-être que... Ouais. Mais ça sent le petit moment où ça va ralentir peut-être avant le sprint. Ouais. Là, ça commence à piquer un petit peu après 3 heures de course. En tout cas, ouais, il se débrouille bien. Il a fait 2 tours à fond et il essaie de rentrer deuxième. Ah, ça passe pas encore. Ouais. Et ça, c'est assez dur de la situation dans laquelle il se retrouve parce que il essaie de rentrer dans un peloton qui roule plus vite que lui. Et en général, bah, quand on va un petit peu moins vite que le peloton dans lequel on veut rentrer, personne ne laisse sa place. Si on arrive plus vite que le peloton dans lequel on veut rentrer, en général, on a plus de chances de rentrer. Mais voilà, quand on est dans un couloir descendant, c'est très très compliqué de rentrer dans le peloton. Et puis on fait face à des patineurs qui commencent à maîtriser la fermeture de porte, comme on dit, pour éviter justement les insertions entre les patineurs. Alors que c'est le club de Colombien hein, qui a repris la tête des opérations et qui vient bien juste temporiser. De se au dernier kilomètre, on a 5 tours de l'arrivée, 1 km à parcourir. Mérignac qui reprend le commandement, suivi de Coulen. En troisième position, c'est un club espagnol. À l'intérieur, le jeune Martin Fouché dont on parlait tout à l'heure. L'extérieur, c'est Gaël Tardy de Quinger Roller Club. Oh, il y a eu une chute. Une nouvelle chute, le patineur de Rosé. Et un patineur, je crois, de Marinier Peloton. Mais ils sont repartis, ces jeunes patineurs. Et ils sont encouragés par le public. Voilà, nouvelle chute, il me semble encore à nouveau. Ouais, le patineur colombien qui vient de tomber. En montée de virage. Allez, il va se relever. Non, il est encore au sol pour le moment, alors que les secouristes s'affairent pour pouvoir le prendre en charge. Voilà, alors qu'il reste 3 tours normalement à parcourir dans cette course. Et c'est les couleurs de Bouguenay qui mènent cette course. Juste derrière, on va retrouver le club du Grol en 3ème position, le club de Lançon, 4ème position, le club de Mérignac. Voilà, alors il reste maintenant 900 mètres à parcourir. En tout cas, du côté de Bouguenay, on est bien mené. Quand on mène, on ne fait pas les choses à moitié, c'est à fond. Ça relance, on doit être peut-être à 400 mètres de l'arrivée, j'imagine. Non, 800 maintenant. 800 maintenant, ouais, si donc ça encore. Ouais. Ça va être compliqué, mais en tout cas, du moins. Il n'y a pas trop à réfléchir, là faut bien se caler dans l'aspiration. Là le peloton il s'est étiré, hein, ce qui montre quand même que le tempo il est à fond, a été hein. durci par le club de Bouguenay, alors que la cloche va retentir au passage sur la ligne. Et je sens bien le patineur du Grol faire son effort présent pour pouvoir aller chercher la gagne. Avec le dossard numéro 4, suivi du dossard 22 d'Alençon, le 3, le club de Quinger dans la foulée, avec le dossard numéro 2. Bien caché dans l'aspiration du patineur d'Alençon, on arrive dans le dernier virage. On élargit un petit peu peut-être pour construire, mais non, ça suffira pas probablement pour monter sur le patineur du Grol. Qui, ouf, les échanges entre acteurs, mais victoire du Grol, deuxième, Alençon, troisième, 15 G. On est content du coup de la première, de la deuxième place, de la troisième. Et je pense que c'est le jeune Martin Fouché d'Alençon qui lève les bras, qui a remporté le trophée des trois pistes. Je ne sais pas s'il a gagné le trophée, mais en tout cas, il est content, au moins sur le podium. Ouais. Peut-être qu'il est même satisfait d'un podium aux trois pistes. Hein, parce que... Tout simplement, ouais.
C'est possible. Parce qu'on a souvent vu, il me semble, le patineur de Grohl en tête des courses les autres jours, hier et aujourd'hui. J'ai croisé son papa ce matin qu'il a eu un souci le premier jour. Le premier jour, d'accord. Du coup, il est pointé à la 6e ou 7e place ce matin. Ouais. C'est pour ça que... Donc, est-ce qu'on n'aurait pas la première victoire d'un patineur d'Alençon aux 3 pistes dans cette catégorie? Il faudrait demander à Daniel Bonito, qui connaît toutes les archives des 3 pistes. Des 3 pistes, ouais. Alors, sur le site des 3 pistes, d'ailleurs, il y a un petit document sympa si vous voulez aller retrouver, voir les anciens vainqueurs des 3 pistes. Vous retrouvez des noms comme celui d'Arnaud Jiquel, qui a, il me semble, 6 victoires aux 3 pistes, sept victoires. Avec Yann Guéder. Yann Guéder, 7 victoires également. Vous retrouvez des noms aussi comme celui de Pascal Gravoy, Cécilia Baina chez les femmes. Nolan Bediaf, qui a remporté il y a 2 ans le trophée. Nolan Bediaf, il y a 2 ans. Alors, pour le moment, il est parti. Il était sur le podium, mais ce matin. Ce matin, il a malheureusement buté lors des demi-finales du 1000 mètres et il s'est pas retrouvé en finale. Donc, du coup, ça, c'était la surprise de la matinée quand même. Nolan Bediaf qui a pas réussi à aller en finale du 1000 mètres. Je l'ai vu agacé dès le premier tour du 1000 mètres. Il avait bien lancé l'allure, il passe son relais. Il y a eu un petit contre derrière. On l'a laissé mener et il s'est un petit peu fait piéger parce qu'il a. Il a pas réussi à prendre la bonne décision. Il fallait qu'il assume à ce moment-là, je pense. Il fallait y aller quand même, il fallait pas réfléchir. Et il a voulu jouer un petit peu aussi. Mais on sentait bien qu'il y avait quelque chose qui s'était monté contre lui parce que c'était un des prétendants à la victoire aussi sur 1000 mètres. En tout cas, il s'est fait piéger aujourd'hui sur 1000 mètres. C'est une distance vraiment compliquée, surtout à la demi-finale. Ah ouais, c'est ce qu'il nous disait aussi hier, hein, c'est que quand on fait partie des meilleurs patineurs mondiaux, on est souvent marqué et les tactiques d'équipe font en sorte justement de le faire reculer au classement. Donc cette bonne guerre, il a tenté de casser un peu la formation Power Sled hier lors de la course à élimination pour marquer un maximum de points. Et ben là, aujourd'hui, ça ne lui a pas réussi. Et bon, on lui espère en tout cas de réaliser une belle course. Une course à prime cet après-midi pour remonter au classement. Il doit quand même encore être, j'imagine, sur le podium du général. Il doit donc au moins deuxième ou troisième. Mais ça va lui coûter cher. C'est vrai que quand on est capable de monter sur un podium des 3 pistes, on ne peut pas se permettre de faire une mauvaise course. Et ce matin, on a eu des surprises. On a donc eu Marie Dupuis qui fait 5e à la finale du 1000 mètres. Ce qui était une petite contre-performance quand même. On a eu Nolan qui est pas arrivé en finale du 1000 mètres qui était là du coup une grosse contre-performance. Donc c'est pas facile. Après Nolan, il n'avait pas un rôle facile ce week-end. Il a été tout seul à courir pour Aeroskate depuis le début du week-end. Et après, il disait que ça l'avait gêné un petit peu sur le premier jour où il s'était peut-être un petit peu emporté. Il a voulu montrer tout de suite qu'il était présent. Et puis sur le deuxième jour, ça lui a permis de se cacher un petit peu plus et du coup de profiter de la masse du wagon. Blanc et bleu Power Slide et du coup de jouer comme ça. Il faut le rappeler qu'il a été quand même champion du monde de l'élimination sur route en étant seul et ça lui réussit plutôt bien. Même si c'est vrai que d'avoir des partenaires, c'est toujours plus facile et ça permet de moins forcer. Alors si je me trompe pas, on a les cadettes au départ. Ouais, on a les cadettes au départ. On a 32 tours. Non, 32 patineuses pour un 3000 à points, 15 tours. Normalement, le protocole, ça va être la cloche au 13e tour et distribution des points tous les deux tours au partir du tour numéro 12. Alors, qui c'est qui nous offre des cadeaux pour la course des cadettes? Eh bien, c'est le stand de Cadomotus qui va nous offrir, donc pour les cadettes, une casquette Cadomotus. Donc là, on l'a avec nous. Donc c'est très simple. On va dire que jusqu'à ce que la cloche retentisse pour annoncer la distribution des points, vous pouvez pronostiquer en commentaire qui va remporter cette course à points. On doit donner le podium de cette course à points dans l'ordre. Et la personne qui aura répondu le plus rapidement possible pourra remporter donc la casquette Cadomotus. Vous pouvez envoyer donc vos messages en commentaire sur les lives Facebook sur la page de Pascal Briand, sur la page des 3 pistes. Vous pouvez également nous contacter par message privé ou sur la page de la Fédération Française de Roller et Skateboard. Ouais, priorité quand même dans les commentaires sur YouTube. Ça sera plus simple pour nous. Ouais, ça va quand même nous faciliter la tâche. Déjà, alors sur l'un des lives, soit sur le site des 3 pistes, soit sur le YouTube des 3 pistes, je veux dire, soit sur le YouTube, mon YouTube, du coup, sur Pascal Briand.
on retrouve les deux lives, enfin le live sur les deux sites. Il y a le Facebook également, le live sur le Facebook. Mais nous, on va prendre comme référence les commentaires qui sont sur les pages YouTube. C'est la priorité en termes de communication pour nous ce week-end. Allez, vous pouvez lancer. Nous, on rappelle aussi que c'est la première personne qui donne le podium dans l'ordre qui gagne le lot. Et on se réfère à l'heure du poste dans les commentaires. Exactement. Et on salue tous ceux qui nous envoient des petits messages. Je remercie Noah pour son petit message. Alors, on va essayer, du coup, chez les cadettes, qui c'est qui est en tête du classement pour le moment ? Est-ce qu'on se rappelle ? Il y en a peut-être Jeanne Fougier qui avait bien tourné, qui doit être pas loin de la gagne. Une patineuse de Guingamp, il me semble aussi. Ouais, Louisa Bott. Louisa Bott, il y avait également, il me semble, Morgane. Morgane Machado est un petit peu plus éloignée parce qu'elle s'est fait éliminer prématurément, je crois, sur la course d'élimination hier. Oui, exact, mais bon, elle a peut-être une chance de podium sur cette course-là. On voit également une Colombienne de Bogota Elite. Deux Colombiennes de Bogota Elite en attente à la chambre d'appel. Alors, ça y est, on a les premiers paris qui tombent avec Kylian Riedel qui propose Auban, Louisa, Jeanne. David Mogère dans la foulée, Jeanne, Louisa, Auban. C'est la même, mais dans le désordre, il veut gagner la casquette. Ensuite, alors un petit encouragement pour Alexandra et Laura de Coulen de la part de Lolita Girl, très active dans les commentaires d'ailleurs hier pendant le live à Valence d'Agen. Alors que moi de mon côté, je vais faire un petit coucou. Devine qui est-ce qui est en train de regarder le live sur Facebook. Alors, c'est est-ce un que certain c'est Joey Mantia peut-être. Non, c'est un patineur français. Un patineur français. Ewan Fernandez. Alors. Non. Alors est-ce qu'il a été champion du monde? Non. Mais il a été en équipe de France. Il a été en équipe de France. Alors un patineur qui a été en équipe de France. Allez, je vais t'aider un petit peu. Il était local de l'étape sur les courses hier. Ouais, peut-être Thomas Damprin. Non, on l'a vu nous. Joris Gardère. Non plus. Des patineurs de Valence d'Agen, il y en a un paquet. Ouais. Alors, il va falloir que tu m'aides un petit peu parce que là. Il est parti, je crois, au Danemark maintenant pour ses études. À Clément Chaduc, ouais, et Clément en Norvège. Il est parti en Norvège. Ah ouais, j'étais pas loin. Et ouais. En tout cas, ouais, Clément Chaduc, Guérin, le salut. Un des partenaires d'entraînement de Nolan Béliaf il y a quelques années, du coup, quand il s'entraînait sur Toulouse, avec le groupe de Mathieu Barraud. On retrouvait souvent Mickaël Béliaf, Nolan Béliaf, Clément Chaduc notamment à l'entraînement. Raphaël Planel aussi, Yacine Baroudi souvent aussi. En tout cas, voilà, on les salue Clément, qui est parti travailler, il travaille en Norvège maintenant. Et ça nous fait plaisir de voir suivre le live. Alors, quelques autres pronostics. Lilou, Auban, Jeanne. Ouais. Ok. Et ben, on a souvent un peu les mêmes noms, mais dans des ordres différents. On voit qu'il y a de la tactique. Alors, Jérémy Jolivet, je réponds à ton message. Les Junior B, elles ont couru le 1000 mètres, mais samedi. Alors par contre, je me souviens plus des résultats, mais ce matin, c'était uniquement les seniors. Voilà. Donc regarde sur le site internet des 3 pistes, tu vois les résultats de samedi. Allez, on remercie également Wilson Castro, qui doit être de Colombie, j'imagine, et qui encourage les patineurs de Bogota Elite sur cette ligne de départ. Nathalie Planel, d'ailleurs, qui nous suit aussi. Ah, salut Nathalie, ça fait bonjour plaisir. Nathalie, ouais, qui nous encourage, qui nous remercie pour les commentaires, ça fait toujours plaisir aussi. Nathalie Planel qui a dû courir sur les compétitions des 3 pistes. Oh, hein. Nathalie Planel, elle a certainement fait quelques tours avec Jean Mestras. Alors la piste avait une autre allure, elle n'avait pas la même couleur j'imagine. Mais toujours autant de plaisir à rouler sur cette piste sans aucun doute. Allez Bougnet, quelques encouragements voilà, de la part de Magali Collange. Martial Emery qui allez, encourage. C'est parti en tout cas. Pour les et cadettes. Jeanne, elle prend directement la tête. C'est une course à points. 3000 à points, c'est pas une course facile de 3000 à points, il y aura des points tous les deux tours, 2 points et 1 point pour les premières, 3, 2 et 1 point à l'arrivée. Voilà pour le protocole, l'objectif là c'est de cumuler les points. On aura, si tout va bien à la régie, les points qui s'affichent sur l'écran. On a corrigé un petit peu hier l'affichage, on nous a dit que c'était pas forcément lisible. Normalement aujourd'hui c'est un petit peu plus lisible. Et voilà, donc c'est parti. Pour le moment, bah voilà, peloton groupé 3000, faut, en général on se bat beaucoup pour aller chercher les premiers points, ils sont vraiment importants. Il faut ouvrir le compteur. Il y a beaucoup de patineuses qui ont la tactique souvent de faire le premier point et l'arrivée.
Allez, c'est parti. C'est parti. Prochain tour d'épreuve, c'est Bogota Elite qui commence à qui a décidé de rouler. Ça durcit, ça pousse un petit peu. D'ailleurs, ça part dans tous les sens dans le virage. C'est pas forcément une bonne opération, ça va coûter cher. Et ça permet à la patineuse de... Je crois une patineuse espagnole, ouais, de prendre la tête. Ça, c'est typique de la tactique espagnole. En équipe d'Espagne, on voit toujours le premier point et l'arrivée de la part espagnole. Est-ce que la patineur 11 va 41, je veux dire, faire cette tactique 41-36, voilà pour les premiers points, du moins. 41-36 for the first point. Moi, je serais pas surpris de voir l'espagnol faire le premier point et l'arrivée. Ça ferait 2 plus 3, ça fait 5. Et en général, 5 points, ça fait un podium. Ça fait au moins un podium. Voilà. Alors que pour le moment, on voit Jeanne Frugier, la leader au classement, qui est en deuxième position et qui va commencer, je pense, à jouer ce sprint qui va, ouais, qui avec va la Colombienne d'Auxerre numéro 30. Elle lui fait la corde, entrée bien à virage. Oui, ça va jouer ça des passe épaules, ça bien. Passe assez facilement. Est-ce qu'elle va réussir à protéger sa corde en sortie? Très bien joué. Et voilà, et Jeanne, ça fait 2 points pour Jeanne. 2 points. 2 points pour la d'Auxerre 66, 37 pour la d'Auxerre. Un point pour la d'Auxerre 37. Ouais, on va y arriver. Points pour le 1. Sinon, la course est pliée. Voilà, alors que c'est Louisa Bott de Guingamp qui a repris la tête de la course. Et c'est voilà. Excusez-moi, j'ai cru que c'était une autre patineuse. Donc, patineuse de Bougnay qui a pris. Qui compte avec Lilou Tilagone, il me semble. Point encore au prochain tour. Alors là, maintenant, on a la 46 et la 72. La 72 qui relance, qui prend la tête. La 46 dans la foulée. Avertissement pour la 36. Alors là, par contre, ça peut même s'échapper là. Attention. Ouais. Lilou, faut pas la laisser partir, elle est capable de continuer. Si elle continue, ça lui fera cumuler 2 points de plus. En tout cas, 72, 2 points, 46, 1 point. On a 3 patineuses égalité avec 2 points, 3 patineuses qui font les points sur... Oh là, alors petit problème tactique, j'ai l'impression, du côté de Kadomotus. On n'a pas trop géré. Il y a une patineuse de Kadomotus échappée, une autre qui ramène. C'est pas terrible. Ouais. J'ai l'impression qu'il va y avoir... quelques ajustements à faire du côté des Cadomus, en tout cas derrière dans la foulée à Guingamp, on essaie de profiter de la situation. Et Lilou, en tout cas impressionnante parce qu'elle résiste quand même. Elle résiste le peloton un peu piégé, j'ai l'impression que Jeanne Frugier là est bloquée en train de batailler à la 7ème place à peu près. Ça va être compliqué. Voilà, 2 points pour la 272 et 1 point pour la 271. Ouais, alors que Louisa Bott, elle accuse le coup de son côté, la troisième de l'équipe Cadomotus. Finalement, qui c'était pas si mal que ça. La 71 va pouvoir maintenant mener pour Lilou et peut-être maintenir un petit peu d'échappée, mais non, c'est quand même revenu dans le peloton. Ouais. En tout cas, ça va être compliqué maintenant. Alors que Mayo Omphalus pour le team Cadomotus s'est regroupé derrière ses coéquipiers. Voilà, la 41, l'Espagnol qui revient maintenant. Alors ça, c'est le contre au bon moment parce qu'on a eu un temps très fort juste avant. La 71, impressionnant, elle a ramené tout à l'heure, elle est encore devant, elle court un petit peu à contre-temps, mais elle fait un boulot, un peu trop de boulot, mais elle accumule les points. Non, elle distribue les points à sa coéquipière. Non, elle se sprint toutes les deux, voilà, c'est impressionnant. Là là. Alors, il y a bataille entre ces deux patineuses, du moins. Alors, 41, j'imagine, un point, et 72, un point. 72, elle doit être en tête, donc avec 5 points. Deuxième, la 41 avec 4 points. Et la 66, Jeanne Frugier avec 2 points. Mais bon, c'est pas fini. Et Jeanne Frugier qui commence à attaquer à l'extérieur. Elle revient à l'extérieur, c'est le moment des choses. La 41 qui repart, l'Espagnol qui me fait mentir sur leur tactique habituelle. Elle a la santé, elle repart une troisième fois dans ce 3000. Elle amène dans sa roue Jeanne Frugier. C'est la situation idéale pour Jeanne. Si derrière, elle contre ce point-là, ça sent la gagne. Et elle serait bien capable de finir comme ça. Parce d'ailleurs, que derrière, ça répond un point et qu'elle gagne l'arrivée. Voilà, 41 2 points et 66 1 point. Et là, elle l'a bien compris, elle l'a compris Jeanne, elle sait qu'elle doit y aller maintenant. Lilou Tilagone, elle a bien compris aussi qu'il fallait y aller aussi. On ne pouvait pas laisser s'échapper. Elle va contrer d'ailleurs, elle s'est bien jouée aussi, ça fait impressionnant. Tactiquement, il y a pas mal de retournements de situation. Ça bouge beaucoup hein, dans cette course. Ouais. Cadette. Lilou Tilagone qui est parti, la 30. Alors là, on a 3 patineuses de Kadomotus du coup. Sous deux couleurs différentes quand même, qui sont échappées. La messe semble dite, ça sent une victoire de la patineuse de Kadomotus. Lilou Tilagone qui va venir rechercher les 3 points. Et ça va être l'arrivée. Voilà, Lilou Tilagone qui remporte 3 points. 30, 71. 72 donc qui remporte normalement cette course. Le 71 qui devrait récupérer, je pense, la 3ème place si je ne m'abuse. À vérifier et la 41 du coup qui finit à la 3ème place, mais on va attendre la fin. L'affichage c'est des points officieux hein, quand même, on essaye de faire ça un peu en direct en même temps.
Alors David Solentreden, j'ai vu ton pronostic, malheureusement, il fallait l'annoncer avant la cloche. Avant la première cloche. Excuse-moi, avant la première cloche. Mais tu peux reprendre les paris à partir de la course cadette qui va s'élancer d'ici peu. Bon, je vous avoue que pour vérifier qui a gagné avec l'enchaînement des courses, on a des lots sur les 6 prochaines courses. Alors, Jeanne Frugier fait 3e. Jeanne, la première, c'est donc Lille Outilagone. Et enfin, en deuxième place, la 241, l'Espagnol. Donc 72, 41, 66. Tilagone, Espagnol, Antoliane et 66, Jeanne Frugier. Est-ce que tu as quelque chose comme ça? J'essaie de chercher. Pour le moment, je vois du Jeanne Louisa Auban. Auban, Louisa, Jeanne, de tout manière. Il faut que ça commence du coup par Lilou. Lilou, Jeanne, Auban. Est-ce que c'est dans cet ordre? Non. Lilou, Auban, Lisa. Non plus. Lilou, Auban, Jeanne. Non plus. Ah. Bonne fête Pascal avec un jour de retard. Moi, ma fête, c'est le 17 mai en fait. C'est le week-end Pascal, mais c'est pas ma fête hein, quand même. Merci quand même. C'est gentil. Alors, j'avais Jeanne, Louisa et Alba, mais malheureusement non. Alors, sur ce premier série commentaire, j'ai personne qui a la bonne réponse. Sur le deuxième, Jeanne, Auban, Lilou. Non, non, non. Bon, personne n'a gagné la casquette pour le moment. Eh ben tant pis. C'est pas grave. On va la mettre. On va la garder parce que nous, on n'a plus de casquette depuis hier. On les a sur la tête, mais il faut savoir qu'on les a données. C'est juste que les personnes ne sont pas venues encore les chercher. Ouais, moi j'en ai donné une. Hein. Si. Ah, si t'as donné la mienne, c'est vrai. Ouais. C'est que moi j'en avais une. T'en as récupéré une autre. Ouais, exactement. Ouais, c'est bien utile parce qu'il commence à. Il pourrait y avoir quelques éclaircies ici et on a bien besoin d'être protégé du soleil. Ensuite, on va partir. Les cadets. Qui rentrent. Alors pour les même principe. Vous allez jusqu'au départ. On dit c'est maintenant qu'il faut y aller. Il faut faire vos pronostics maintenant. C'est la même chose, c'est une casquette Cadeau Motus à gagner. Non, aussi ça sera une gourde Cadeau Motus. Une gourde Cadeau Motus, voilà. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire et on remercie Cadeau Motus de nous avoir donné les lots. Voilà ce que moi, je pense qu'on peut faire simple. On va mettre la casquette et la gourde à celui ou à celle qui trouve le podium dans l'ordre. Allez, la casquette et la gourde. Il faut mettre le pronostic avant le coup de pistolet. Ça vous laisse 2 minutes, même pas. Même pas. Faut y aller maintenant. Alors que je salue Julien Levrard, l'entraîneur de Saint-Pierre-et-Boeuf, qui, je pense, va regarder cette course avec attention, puisque son patineur Nathan Lebray est sur la ligne de départ. Allez, Quentin Poujol au départ, en première position, en tête du classement. Ensuite, deux patineurs du Grohl. Noah Lemoel et son partenaire, je ne me souviens plus de son nom. Alors, Quentin, il a le 38. Ensuite, on a le Dossard 3, le Dossard 5, le Dossard 31. Matisse. Le 2, 3 patineurs de Grohl quand même dans les 5 premiers sur cette catégorie. Ouais, Nils Belbeoc. Alors, Adrien Marie, voilà, le patineur de Pibrac, l'ancien patineur de Pibrac, qui nous dit Quentin, le 3 et le 31. Donc ça fait Quentin, le patineur du Grohl et celui de Matisse Roiti. Ouais. D'accord. On voit aussi des pronostics du style de Quentin, Noah, Julien. Alors, Julien Vincent, c'est un patineur de Bouaille, je le vois, oui, il est derrière sur la ligne. D'accord. Ah, il vous reste moins d'une minute, je pense, pour donner vos pronostics, on en a déjà quand même pas mal. De mon côté, j'ai Quentin, Noah et Alexis. J'ai Maud qui fait le 38-31. Ah, et toi, c'est sur le Facebook. Ouais, moi, non, il faut mettre les commentaires. On met les commentaires sur le YouTube, non? Bah, allez. Il y en a qui sont sur Facebook aussi, alors on va essayer de. Toi, tu gères les Facebook. Je gère Facebook, tu gères. Okay. Voilà. Alors, ils sont partis prêts au départ, attention. Il est 14h32, c'est top, parti, c'est fini, parti. Plus de commentaires. Donc j'ai marqué top, je marque top comme ça. C'est parti, les autres... 3 km à point pour les cadets, garçons, 36 patineurs au départ, on a le même protocole, 2 et 1 point tous les deux tours, 3, 2 et 1 pour l'arrivée. C'est des courses rapides, hein. C'est dur les 3 km à point, parce que ça roule vite. Et c'est tout de suite le... Petit Mathis Guérinel, non, le Dossard 5 du Grohl qui prend l'avantage pour le moment. Je rappelle que vous avez à gagner une gourde et une casquette Cadeau Motus. Allez, c'est la cloche. Les premiers points d'ici 200 mètres avec un patineur de, il me semble, Saint-Herblain qui prend la tête. Suivi de Longjumeau, suivi de Quentin Poujol. Hop, il fait une petite relance pour peut-être aller gratter un point. Parce que le patineur de Saint-Herblain, lui, il a l'air déterminé à aller prendre les deux points. Ah, il ouvre un petit peu sa corde. Ça va permettre à Quentin Poujol de prendre deux points pour le Dossard 38, un point pour le Dossard 59.
Voilà, alors que pour le moment ça se regroupe et ça va repartir du côté de Longjumeau, Tristan Chouard et dans sa roue Nathan Lebray, Mathis Roitier en troisième position, alors que la cloche va retentir sur la ligne pour annoncer les points au prochain passage sur la ligne. On a les points tous les deux tours, hein. Je vous rappelle, sur les courses à points c'est difficile. Le 223 prend la tête, il est motivé pour choper ces points là. Le 38 dans la roue a envie de consolider son avance, il a déjà deux points. Une petite échappée, quelques longueurs d'avance pour ces deux patineurs. On a donc Quentin Poujol qui va prendre 4 points pour lui déjà, 4 points pour le 38, 1 point pour le 23. Nathan Lebray. Ah, il va falloir faire attention à ne pas prendre un gros contre, parce que quand on fait deux sprints comme ça dès un début de course, ça peut être compliqué. On y laisse des plumes. Quentin, c'est pas le spécialiste de la course à points depuis le début de l'année, mais à chaque course il va apprendre en tout cas. En tout cas avec 4 points, il est déjà un pied parti pour être sur le podium. Le 59 qui a marqué un point tout à l'heure et qui est reparti à la avec le 11 dans sa roue, l'Espagnol. Alors, Quentin qui refait la corde. Alors là, il est costaud. Il a une nouvelle tactique pour la course à points, c'est d'aller prendre tous les points. Voilà, en tout cas 2 points pour lui en plus, le 38 et je dirais le 11 en deuxième position. Je pense aussi, mais à confirmer de la part de la régie. Ça fait mal pour le 59 malheureusement qui a fait deux sprints mais qui se fait voler encore un point d'ajuste sur la ligne. Donc, sur un 3000, c'est dur de réagir après ça. Allez, ça se remue du côté du Groll qui tente maintenant. Mais pour le moment, il y a quand même Quentin Poujol qui a, il me semble, 6 points. 6 points pour le 38. Ça va être compliqué de remonter sur lui parce que derrière, les points se répartissent pas mal. Le Groll, en tout cas, rentre en action avec deux patineurs. Mathis également, le patineur de Valence d'Agen qui réagit. Et le Groll qui va venir normalement remporter les 3 points. Voilà. Alors le 5, 2 points, 3, 1 point. Et ça continue. Et c'est la tactique du contre en fait. On essaye là de dynamiter. C'est peut-être à ce moment-là que ça joue la gagne. Mais Quentin, il va se faire piéger peut-être. Il a 6 points, mais si ça serait parti pas en tête, eh ben il va avoir du mal à gagner cette course. La cloche retentit, le 3, il a l'air costaud. Ça ressemble à une tactique qui s'est passée à la Coupe de France Belgique avec l'équipe de Bretagne d'ailleurs. Et ben, c'était les deux patineurs qui sont en train d'évoluer sous nos yeux et qui ont remporté la course. Ils sont partis et on les a plus revus. Ouais, sauf que là, ils ont une difficulté en plus. Ils ont deux patineurs avec eux. Pour le moment, donc le 3, il reprend 2 points. Le 5, il prend un point. Et le 31, je sens bien qu'il est prêt à part quelque chose pour le final de la course. Exactement, alors que Quentin Poujol lui essaie de faire l'effort pour revenir sur ses 4 hommes de tête. Alors que un patineur de Gouy sur la ligne. Allez, dans 200 mètres, encore des points. Avec le patineur de bois, dossard numéro 53 qui semble prendre une longueur d'avance. Le 5 et le 3. Non, le 3, il a du volume d'entraînement, ça se voit parce que là il réagit, il revient, il a de la glisse. Il va encore aller prendre 2 points pour revenir à égalité avec Quentin Poujol. Ça va être décisif. Voilà, et là où je dirais le 53 à la corde pour le 1 point, ça va être chaud quand même. Il y a ça va être l'arrivée dans 2 tours normalement. Et voilà, maintenant ça va se jouer à l'arrivée entre le 38 et le 3 qui est en tête de la course pour le moment. Mais discrètement, quand Poujol est en train de revenir avec le patineur de Bogota dans la roue, c'est le dernier tour. C'est Quentin double le patineur numéro 3, il a gagné la course. Si c'est le 3 qui gagne, il remporte la course. Voilà. Et Quentin Poujol qui a l'air d'être plus frais quand même. Il a bien géré son truc. Et qui revient. C'est assez rare d'avoir. D'ailleurs, je pense que ça sera sa première victoire sur la course à points. Exactement, Dans la roue, il a le patineur de Colombie qui va prendre 2 points. Et donc Quentin, 38, donc, il emporte. 3 points, le 9, 2 points, le 3, 1 point. Ouais. Hop, petite chute dans la dernière ligne droite. Sans conséquence apparemment. Ouais. En tout cas, on se retrouve donc avec le 38 premier. Je dirais le 3 deuxième et le 5 troisième. Alors 38, 3 et 5. Le 3 c'est Nathan. Moi, je pense que à 14h32, j'ai David Mogère qui fait Poujol 3-5. Ça peut ressembler à la combinaison gagnante. Alors, on va voir les noms des patineurs parce que des fois j'ai les noms et des fois j'ai les. Deuxième avec le total de 6 points, le 203, Alexis Bonnevel. Et troisième.
troisième avec un total de 4 points, le 205, Noah Lemuel. Alors moi je pense que le vainqueur du coup de la gourde et de la casquette à première vue devrait juste un nom non officiel à 14h32, David Mogère, Poujol 3-5. Je vais vérifier sur l'autre live. Moi de mon côté, j'ai pas mieux. De mon côté sur le live Facebook, je n'ai pas mieux. Ah, 14h32, j'ai 38-3-5. C'est peut-être mieux du coup. Et 14h32 sur l'autre. Bravo, vous avez fait photo finish. Ouais, à la même heure, vous avez le même classement. Alors, il y a Kylian Riedel. Allez, Kylian, tu vas prendre la gourde. Et si je, on vérifiera après, la tête reposée. Mais à première vue, voilà, Kylian Riedel, il me semble que tu aurais gagné la gourde. On va faire simple. Et de l'autre côté, on va le noter en même temps. Voilà. Kylian, t'as noté le nom. Et de l'autre côté, donc si je me trompe pas, David Mogère, la casquette. Si vous voyez une erreur, vous faites un petit N'hésitez pas à nous signer. Ouais. Alors, on nous dit Donde es eso? Es una competición que es en Francia, que se llama las tres pistas, que es la más clásica de todas las carreras de Europa, que se corren en tres diferentes pistas. Y ayer y hoy son en pistas parabólicas, como van a ser el Mundial de Barcelona en julio. Voilà, un petit peu d'espagnol, je tente l'espagnol quand même pour répondre à nos amis espagnols ou colombiens qui nous mettent des petits commentaires du coup sur les pages et ils ont bien raison. YouTube. Ils ont bien raison. Alors qu'ils ont compris ce que j'ai dit, mais en tout cas, j'ai tenté. Allez, on va accueillir maintenant les juniors BFAM qui, elles, vont s'élancer donc, pour un 5000 à points, donc 25 tours. Normalement, la cloche va retentir au tour 23 et après... Point tous les deux tours, pareil, alors cette fois-ci c'est ligne droite qui vous offre un t-shirt, donc vous avez jusqu'au départ de la cloche pour annoncer vos pronostics de qui va remporter cette course à points chez les juniors BFAM. Et on salue Raison Castelblanco de Bogota Elite, ainsi que Martial Emery qui... encourage Eva de la Ferté-Bernard qui va normalement courir sur cette course Junior BFM si je ne me trompe pas. Alors Junior BFM, est-ce qu'on a des cadeaux à faire gagner? Oui, je viens de l'annoncer. Ah bah ouais, j'ai pas écouté. C'est Ligne Droite qui offre un t-shirt, un t-shirt de l'équipe officielle de cette année. J'ai pas écouté, je suis en train de vérifier dans les commentaires si... voilà, j'ai Christophe Pirot. Pas en tour loop, mais c'est bon. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Christophe alors... Pirot donc qui commence à proposer. Ses statistiques, ses pronostics. Alors, si on a l'Espagnol à 46 en 4ème position seulement, je suis assez surpris quand même parce qu'elle était incroyable et hyper forte. Alors, elle est plutôt sprinteuse, c'est vrai que sur les 3 pistes, on a des courses un petit peu plus longues, c'est un petit peu plus dur pour elle. Ouais, et puis, hier sur la route, super patineuse. Léontine, 3ème pour le moment, victime d'une chute au 1000 mètres. Elle a une petite blessure sur la jambe gauche, mais ça n'a pas l'air de l'empêcher d'avancer. Julia Nuisan, Dossard. 47, il me semble. Ouais, je crois. 47, en 2ème position avec sa combine de MG Custom et à la corde. En tête du classement pour le moment, la 234, Mathilde Champagnac de Fibrac. Allez, c'est parti. On clôture les pronostics. Moi, j'en ai un de mon côté sur le live Facebook. Deux, pardon, excusez-moi. Ah, Titi Wet, étant donné qu'on est pile poil, je vais l'accepter. Mais après, c'est terminé. Voilà, petit changement de configuration. On n'a pas un 3000 mètres hein, pour les juniors. C'est 5000 mètres. Ouais, 5000 mètres. Cloche au tour 23 pardon, et distribution des points au tour 22. Et c'est Nolwenn Letout de l'Easy Roller qui a pris le meilleur départ. Et on va voir qui va venir marquer les premiers points. La cloche normalement qui va retentir à l'instant. Alors que je vois à l'extérieur la patineuse de Montreuil, Morgane Machado. Et vous êtes de plus en plus nombreux en tout cas à nous suivre sur le live. C'est fini, hein, c'est fini les pronostics. Ça n'a rien d'embête, je suis désolé. Fallait vraiment le faire au top départ. Alors que ça y est, c'est Morgane Machado qui est parti très très fort
Morgan Machado du club Neutra, je salue son papa qui doit nous regarder et qui va venir remarquer les deux premiers points. Suivi de la patineuse espagnole, la 215, qui avait gagné le 1000 mètres. Ouais, et c'est une petite échappée, hein. C'est l'occasion là, alors c'est tôt dans la course, mais en tout cas c'est une occasion d'aller de cumuler, de faire deux tours supplémentaires hein, avec ce petit rythme, de prendre 4 points sur un début de course, c'est assez rentable. Voilà, toujours, derrière ça se regarde en plus, alors peut-être qu'on va avoir une échappée, en tout cas ça s'entend bien à l'avant avec la 15 et la 25. Derrière la 35 de Pibrac qui bloque le peloton, va pas faire le boulot. Et c'est Lauréa, Terrain de Lujard, ouais, de ligne droite qui fait l'effort maintenant fait l'effort pour revenir sur les échappées de tête alors que les points vont être distribués au passage sur la ligne. Voilà la patineuse espagnole qui va venir marquer 2 points, le Dossard 15 et Morgan Machado qui marque 1 point. Et c'est pas tout le temps compris qu'il fallait ouais. bosser et lancer la course. Ça c'est la situation idéale hein, quand ça arrive derrière. On ne sait plus trop quoi faire dans le peloton, c'est dur de prendre ses responsabilités de remonter. La course est longue, mais pas si longue que ça sur un 5000. Là, devant, on cumule les points. Et puis, je peux vous dire que devant, je ne connais pas l'espagnol, mais en tout cas, Morgan Machado, elle a de la ressource sur le foncier et elle va être capable de mener un gros rythme. Il va falloir que le peloton réagisse rapidement s'ils ne veulent pas laisser s'échapper cette victoire alors que les points vont être distribués sur la ligne. Je vous rappelle, on est sur la piste de Gujan-Mestras. On aura également les championnats de France piste sur cette piste cette année. Donc c'est voilà, une bonne mise en action pour les Françaises et les Françaises que de courir aux trois pistes cette année. Voilà, le peloton qui revient sous l'impulsion de Léontine Thibault. Dans sa roue, une patineuse de Pibrac, deux patineuses de ligne droite pour un slide, puis Mathilde Champagnac, la leader au classement général pour le moment. Qui est marquée marqué à la culotte par Julia Nizan. Ça sent l'attaque d'ici quelques temps de la part de la patineuse de Pibrac et de la patineuse de Locminé. Voilà Léontine Thibault qui durcit un petit peu la course de son côté pour essayer d'aller chercher ses points, mais elle se fait déborder à l'intérieur par la patineuse de Pibrac. Petit changement de couleur, donc voilà, qui prend 2 points. Alors que Mathilde Champagnat qui à l'extérieur et Julien Nizan qui font l'effort maintenant pour partir. C'est le contre, voilà, avec l'Espagnol à la roue. C'est pas très très bien placé parce qu'elles sont trop nombreuses pour démarrer. En tout cas, elles peuvent peut-être partir à 4. Ah, il y a une légère cassure là. Ça va faire mal en tout cas. Mathilde, quand elle roule comme ça, avec un joli transfert du poids du corps de gauche à droite, elle a appris ça il n'y a pas si longtemps que ça. Je me rappelle, j'étais avec Vincent Morvan sur le pôle espoir à Saint-Brieuc. On travaillait la technique. Et notamment le transfert du poids du corps de gauche à droite. Et Mathilde Champagnac a particulièrement bien compris comment ça fonctionne. Ce qui lui permet de s'économiser et d'avoir de l'énergie bien plus longtemps. En tout cas, elle gagne ce sprint. Voilà, elle prend les 2 points. Et je pense que pour le premier point, c'est Luisa González, l'espagnole du team ligne droite pour Versailles, qui a pris le point sur ce sprint. Ouais, derrière, Léontine Thibault, elle a un peu piégée. Elle se retrouve un petit peu en chasse-patate à mener le peloton. Elle est un contre-temps depuis le début de la course. Elle avait déjà fait l'effort pour ramener le peloton tout à l'heure, elle se retrouve encore à faire l'effort, c'est pas l'idéal, mais. Le terrain de Ludujar de son côté qui relance à l'avant. Relance on a un groupe avec 6 patineuses qui sont échappées maintenant, ça va être presque impossible de revenir, c'est très compliqué. L'Espagnol qui a l'air de coincer la 46, qui aura du mal du coup à remonter au classement général. Devant, Julien Nuisan qui fait sa première production d'accélération, qui va aller prendre 2 points sur la ligne, suivi de Dossard numéro 1. Oh, je donnerais ça à la 215, la patineuse d'Espagne. 247 qui a marqué 2 points et la 15 qui ressemblerait avoir marqué 1 point. Elles sont 5 échappées. Ensuite, on a un peloton qui essaie de remonter sous l'impulsion d'une patineuse espagnole, deux espagnoles et de Léontine Thibault. La jonction va se refaire difficilement, mais la cloche retentit déjà pour le prochain point. Et on sent que Mathilde Champagnac contrôle de l'arrière, et ça y est, c'est parti du côté de Pibrac, on accélère le rythme. Mais du côté de la patineuse numéro 15, c'est très bien joué, elle a 6 points, elle marque Mathilde pour le moment, ça va être difficile pour Mathilde de s'en séparer. En tout cas, 2 points de plus, ça lui permet de revenir. La 15, on remarque 1 point, elle aura donc 7 points. Mathilde, elle a quel dossard? Elle a la 34, elle remonte à la deuxième place pour le moment, égalité avec la 225. On a dû passer la mi-course, j'imagine. Ouais, je pense également que. Allez, une nouvelle attaque. Et qui est-ce qui va le mener? C'est le 215 qui est reparti de nouveau. Ah non, c'est pas le 15, c'est sa coéquipière, pardon. C'est le 16, 16 du coup. Voilà, qui est parti avec Nolwenn Letout, Dizzy Roller. Qui sont partis en chasse. Ça va faire mal. Une autre espagnole dans la roue qui permet peut-être à Mathilde Champagnac de refaire la jonction. Julien Nuisan dans la roue également. Une autre patineuse de Pibrac. Et Mafi Toussi, il me semble, qui revient. Alors, 2 points. Pour la 7, 1 point pour la 16.
Voilà, Nolwenn Lotoux qui poursuit son effort. Nolwenn qui a prouvé cette année à la Coupe de France aux Herbiers qu'elle était capable de partir en échappée et de tenir très longtemps en tête. Une patineuse espagnole qui semble être la seule à être capable de répondre. Ouais, ça, ça sent l'échappée. Ça peut faire quelques tours comme ça. Ça part vite. Derrière, tout le monde a les mains sur les cuisses. Ça se regarde. Ça se durcit. Il faut faire attention parce que ça peut... Je ne vois pas comment le peloton va réagir. Maintenant, tout le monde regarde par terre. Qui c'est qui va y aller? J'ai vu Juliane, ils ont remonté en tête et se remettent en tête du peloton, mais je ne suis pas sûr qu'elle mène plus. Alors que de son côté, voilà, c'est Nolwenn Lotoux qui remarque 2 points. Le 7, 23, 1 point. Et attention parce que le dos... Voilà, elle part, elle peut aller vers la gagne. Elle a 4 points, 3 points de retard pour le moment. Une ligne droite d'avance pour la Dossard 7 et la Dossard 23, il me semble. Encore deux sprints et elle serait capable de remporter cette course. Ah, je pense qu'elle est partie pour la gagne maintenant. Ça va être difficile. Et encore Léontine Thibault qui mène le peloton derrière. Elle s'est malheureusement souvent retrouvée à contre-temps. Alors soit elle protège sa troisième place au général, soit elle n'a pas réussi à trouver le bon film tactique ça aujourd'hui. C'est une tactique hein, parce que Nolwenn Lotoux, elle pointait, je crois, à la 6e ou la 7e place du classement général. C'est peut-être pas assez pour qu'elle puisse remonter sur le podium et donc on va la laisser partir alors que là voilà elle vient de prendre la deuxième place pour le moment au classement provisoire de cette course à points, Nolwenn Lotoux. Voilà, pour le moment, plus besoin de réfléchir, en tout cas elle a juste à rouler à fond. Ah, Julianne Nuisan qui réagit, qui met une sacrée attaque. Alors ça va partir. Ça peut revenir mais ça va être compliqué quand même. En tout cas, Julia, elle prend tous les risques, elle donne tout dans sa roue, Léontine. Thibault. Encore de la fraîcheur, impressionnant quand même, parce qu'elle fait beaucoup de boulot. Mathilde Champagnac en troisième position. Ah non, ça y est, c'était en fait, c'était pas un pétard mouillé parce que ça a fait mal quand même, mais ça abandonne au bout de 150 mètres d'accélération. Ça a relancé l'allure, mais ça suffira pas, je pense. Nolwenn Lotoux qui est maintenant esselé de son côté, mais qui va aller encore marquer de points et prendre la tête du classement provisoire de cette course. Alors j'arrive pas trop à savoir pour le moment à combien de tours on est. De l'arrivée, mais en tout cas on peut dire que cette échappée est gagnante. Voilà, le Dossard 7 continue avec son avance. Est-ce qu'elle va réussir encore à marquer C'est pas gagné quand même. Ouais, ça revient derrière fort, ça revient fort avec une espagnole et une Léontine Thibault dans sa roue. Et la Dossard 15 pour le moment, le Dossard 15 qui incroyable, le petit passage entre les patineurs. Et d'ailleurs, si elle gagne là, elle va gagner la course. Voilà, 15, elle a bien compris. Le coach lui a bien dit sur le bord de la piste, c'était clair. Les Espagnols, ils ont bien compris, bien joué tactiquement cette course. Il fallait absolument gagner cette arrivée. C'est l'arrivée sur la ligne et le 2-5-4 remporter cette deuxième, troisième, je dirais la meilleure, 12 en troisième position qui va gratter un petit point. Bon, belle victoire de l'Espagnol. Et une très très belle course du 2-7. Nolwenn Lotoux. Une belle tentative d'échapper. Je pense. Alors, du coup, c'est 15. 7-34, fallait aller le chercher celui-là, je pense. Ouais, parce que là je regarde de mon côté 15-7-34. Il y avait le 15, mais c'est tout. Moi de mon côté, j'ai pas de bons résultats au niveau du live Facebook. Et ben de mon côté non plus. Ah, celle-là, elle était pas facile à trouver. Ouais. Voilà, alors qu'elle est arrivée, c'est le 2-5 qui remporte la course avec 10 points. Deuxième position, on retrouve Nolwenn Lotoux, le 2-7 avec 8 points. Et le 2-34 avec 4 points. 2-34, si je ne me trompe pas, il s'agit de Mathilde Champagnac. N'hésitez pas à partager le lien du live sur vos réseaux sociaux pour faire connaître ces épreuves. On arrive vraiment dans les catégories les plus impressionnantes. Très bientôt, les courses des juniors A et des seniors. Pour le moment, à la chambre d'appel, on a encore, il me semble, les juniors B garçons qui vont. Ils sont 36 patineurs. Alors les juniors B garçons, pareil, on va lancer un jeu et c'est Eosket qui a participé en offrant un lot de boissons énergisantes. Ouais. Hydrogène 4 si je ne me trompe pas. Donc on va. On fait pas comme tout à l'heure, on met le t-shirt ligne droite et les boissons énergisantes Eosket. Voilà. Sur cette course, allez, faire vos pronostics. Et vous pouvez faire vos pronostics jusqu'au top départ, donc jusqu'à ce que je marque. 5000 mètres à point, 25 tours, même protocole, des points tous les deux tours. 3, 2 et 1 à l'arrivée. Ils sont 36 au départ. Et je rappelle qu'au classement général, pour le moment, on retrouve Théo Majvar de ligne droite en tête. En deuxième position, on va retrouver Mathis Rocher également de ligne droite. En troisième position, si je ne me trompe pas, c'est Raphaël Sylvain pour le team ligne droite. En quatrième position, Louis Collin et Osquette.
Voilà, le quatuor de tête au classement général de cette catégorie junior B homme. On vous laisse faire vos pronostics. Je vous rappelle sur les commentaires des lives Facebook et YouTube. Et vous avez jusqu'au coup de sifflet du départ pour nous donner vos pronostics. Et c'est Christophe Pierrodon de Mokosé qui donne les deux stars 82, 83, 68. Ah, Christophe, il faut le faire. Ah oui, c'est les deux fois les mêmes. Voilà. Mais un commentaire, hein, bien sûr. Allez, si vous n'avez pas encore réalisé cette petite action, et n'hésitez pas à vous abonner aux chaînes YouTube des trois pistes, à ma chaîne YouTube Pascal Brion. Et allez, je fais un petit coup de pub aussi à l'équipe de Target quand même, parce qu'ils nous font toujours des super vidéos. Vincent, il est venu donner un bon coup de main aussi aux commentaires hier. Voilà, trois chaînes YouTube sympas à les suivre. Si vous voulez d'autres chaînes sympas, vous pouvez trouver la chaîne de Félix Reinen notamment. Il a commencé il n'y a pas longtemps, il fait plein de vidéos sur ses entraînements. Voilà, c'est l'occasion d'apprendre quelques petits secrets d'entraînement des meilleurs mondiaux. Félix Reinen en termes d'entraînement. Regarde Félix, il est en train de regarder là sur la... Il est en train de regarder, il est en train de parler tactique avec Timothy Louvino justement. Enfin parler tactique, on ne sait pas, mais on imagine. Et en tout cas, voilà, il a une super chaîne YouTube aussi, il démarre. Mais il y a une bonne qualité vidéo. On voit ses entraînements. Quelques petits conseils pour les pistes incurvées notamment. Il y aura le championnat de France piste à Gujan-Mestras sur piste incurvée. Il y a deux semaines, il était en stage sur la piste de Scatelingo, une belle piste incurvée qui a accueilli le championnat du monde en 1996. Il s'entraîne également sur la piste incurvée de Noale en Italie, pas très loin justement de Scatelingo. Il n'y a pas eu de championnat du monde, mais c'est une jolie piste incurvée. Il s'est entraîné également sur la piste de Spinea, une piste incurvée couverte de 166 mètres. Si vous n'avez jamais patiné dans ce coin-là, c'est pas très loin de Venise, et en quelques kilomètres... Au moins de 50 km, vous trouvez trois pistes incurvées, dont une couverte. C'est un régal. Il y a pas mal de monde à faire des stages d'entraînement là-bas. Le sprinter Nashvar, je ne sais plus exactement comment ça se dit. En tout cas, un des sprinters slovaques s'entraîne là-bas en ce moment aussi. Il prépare les 500 mètres et les 1000 mètres. Voilà, c'est un bon lieu d'entraînement. Voilà. Pour le moment, sur la ligne de départ, on retrouve nos 36 patineurs, les juniors B garçons. Voilà, avec Théo Machard du team ligne droite premier couloir. En deuxième couloir, Mathis Rocher du team ligne droite. Pour team Eosquette, Louis Collin. Pour le team ligne droite, Raphaël Sylvain. Ensuite, le local de l'étape, Antoine Brousteau. Le 75, Gasper Cohen de Lonac. Le 80, Jules Malherbe du CSR Team. Et Charles Houlès de Pibrac à l'extérieur. Voilà, pour le moment, les 8 patineurs qui trustent les avant-postes. Et je vous rappelle que vous pouvez encore... Et voilà, c'est parti. Top, plus de commentaires, plus de pronostics. Ah, vous pouvez mettre des commentaires, mais plus de pronostics, du moins. Et c'est parti. Alors là, c'est parti. D'ailleurs, c'est parti très vite du côté de Gaspard Cohen, le patineur de Lonac. Il a probablement décidé d'aller prendre les premiers points de la course. Juste derrière, on retrouve Théo Majoir pour le team droite. Ouais, vision derrière, ça chahute un peu entre CSR et Eosquette. Cette bonne guerre, ça joue des épaules en début de course. Alors que pour le moment, on retrouve toujours le patineur de Loac en tête avec la cloche retentit pour annoncer les premiers points distribués. Ça reste calme, on sait qu'un 5 km ça peut être un petit peu long. Il y a pas mal de points à distribuer, du moins on se précipite pas sur les premiers points à part à l'extérieur. Si Théo Majoir qui commence à batailler avec le patineur de Skate. Et Louis Collin qui est parti à l'extérieur, ouais, qui a pris avec la bosse. Il va prendre au lancer de patin. Ouh. Oui, je pense que c'est Louis Collin devant Théo Majoir. Ouais. Le 268 qui marque 2 points et le 282, 1 point. Premier sprint, on a déjà droit à un joli lancer de patin de la part des deux patineurs. Derrière, ça contre un petit peu avec Jules Malherbe du CSR Team, ouais, et Louis Collin dans sa roue. Alors faire attention, ouais, parce que Louis Collin était l'auteur d'une course à points lors de la Coupe de France. Ouais, il était costaud, il avait bien couru, alors, il sautait un petit peu dans tous les points, on pensait qu'il allait exploser et puis il n'explosait pas. C'était un 10 000 à points d'ailleurs peut-être. C'était un 5 000, je sais 5 000, plus. 5 000 à points aussi. Ouais, ouais. Donc 5 000, voilà, c'est pas un problème pour lui. Et Théo Majoir qui reprend 2 points, le 282 suivi du 81 qui prend 1 point. En tout cas, la course elle est bien animée dès le début. Derrière le peloton, il est en file indienne. Tout le monde se cache au maximum pour se protéger du vent qui se lève très légèrement ici à Gujan-Mestras. Pas suffisamment pour faire exploser le peloton ou pour créer des petites bordures, mais en tout cas, le peloton là, il prend toute la ligne droite.
C'est devant. Rondel, le 280 qui prend la tête de la course et qui va tenter d'aller chercher ce sprint. Ouais. Théo Majoire qui pique à l'intérieur. Passe à la corde. C'est limite, ça roule un petit peu dans la gouttière, mais ça passe à la corde. Louis Collin toujours présent, c'est son troisième sprint déjà. Il va falloir faire attention parce que pour le moment, Théo Majoire est le seul de ligne droite à s'activer. 82-68. Alors que derrière, il y a deux patineurs de ligne droite qui restent en embuscade. Alors, est-ce que ça ne sentirait pas la tactique un petit peu, on va dire, à la bretonne ou à la méthode de l'équipe de France? Où on attend le deuxième partie de course pour pouvoir aller chercher les points, c'est possible. Voilà, alors le Naquet qui repart à l'attaque, suivi d'un patineur espagnol. Le Dossard 35. Et derrière, ça temporise un petit peu. Peut-être une tentative d'échapper, en tout cas, ça vaudrait le coup de poursuivre l'effort. Après ce sprint-là, ça peut aller un peu loin. Et ça va être les points sur la voilà, ligne. Voilà, deux points pour Gaspard. Il a remporté deux points. Avec le Dossard 75 au 55, un point. Là, s'il continue, il peut faire le break. Ça se regarde un petit peu. Non, voilà. Ça ne suffira pas. Ça, un petit peu trop réfléchi, un peu trop temporisé. Du coup, le peloton est revenu à quelques longueurs. Tout le team ligne droite est reformé aux avant-postes. Allez, l'Espagnol, il retente sa chance avec 2h55. Il dit maintenant, il me reste 150 mètres à faire pour peut-être prendre deux points. Mais c'est trop tard. Il fallait, je pense, réagir directement après le sprint précédent. Du coup, les trois patineurs en ligne droite, ils arrivent assez sereinement dans la roue. Théo qui à la relance. Mathis qui va prendre le deuxième point. Et là, ça y est, le break qui est passé. 83. Les patineurs de ligne droite qui vont tenter l'accélération. Théo Majoire qui temporise ce peloton. Louis Collin qui essaie de réagir pour les couleurs des Hosquet. Alors que Baptiste Rocher et Raphaël Sylvain sont partis en échappée. Ouais, là, ça va faire mal. C'est quand même une petite erreur tactique, je pense, de Théo de ne pas, pas être sauté dans la roue de Star 68 des Hosquet parce que. Il avait le potentiel, je pense. Alors, c'est sûr, il est en chasse patate pour le moment, mais. Et là, les points qui vont être distribués. Raphaël Sylvain qui prend deux points, le 284 et 83, Mathis Rocher qui prend un point. Voilà, le Louis Collin qui essaye de revenir sur les deux hommes de tête. Antoine Brousteau, le local de l'étape qui est sur sa piste, qui mène le peloton et qui sont partis à la chasse de ces trois échappés. Pour le moment, une belle course tactique en tout cas. Alors que les points vont être distribués au prochain passage sur la ligne. Voilà, Raphaël Sylvain, Mathis Rocher, maintenant qui ont un virage d'avance sur Louis Collin des Hosquet. Louis Collin qui semble un petit peu dans le dur tout seul. Allez, plein d'encouragement pour Gaspard sur les commentaires, pour Vadim, je pense que c'est comme ça, de la part de Francisco Amar. Et voilà, en tout cas, le 2SAR 68, il se retrouve dans une position bien délicate. Devant, il y a deux patineurs échappés qui marquent les 2 et 1 points. Derrière, lui, il est à une ligne droite de retard. Il se tient les jambes, il a mal, mais il essaie de défendre sa victoire. Il va chercher une victoire, en tout cas, mais ça va être compliqué aujourd'hui. Il est en chasse patate avec un peloton derrière lui à une petite ligne droite de retard. On est encore un petit peu loin de l'arrivée. Ça va être dur de résister. Et on voit Louis Collin qui essaie de se relancer pour essayer de ne pas se faire rattraper par le peloton. Alors que Raphaël Sylvain marque de nouveau deux points et Mathis Rocher un point. Raphaël Sylvain, le Dossard 84 qui prend la première place ex aequo au prélèvement provisoire avec le Dossard 82. Allez, du côté de Pibrac, on a décidé de redurcir l'allure en tête de peloton. Le 74 qui mène. Avec Théo dans sa roue, le peloton qui a l'air déterminé finalement à revenir voilà, sur le 2SAR 68. 6 tours, c'est possible pour le peloton de revenir. En tout cas, derrière, tout le monde tire la langue. Ça commence à être dur après 3 jours de course, finir par une course à points. C'est pas forcément le meilleur cadeau qu'on peut faire aux patineurs, mais c'est aussi ça les 3 pistes. C'est une course pour les costauds, c'est une course de technicien avant tout. Il faut d'abord être un technicien pour s'en sortir sur des pistes comme ça, mais il faut aussi être costaud physiquement. Tenir la cadence pendant 3 jours, c'est quasiment le rythme d'un championnat du monde. Et on semblerait que le team droite, lui, a réussi à bien construire ses courses, puisqu'ils étaient deux sur les 3 premières places du podium au début de cette course. Et je pense que là, Raphaël Sylvain va essayer de marquer un maximum de points pour essayer de revenir avec ses partenaires sur le podium. En tout cas, voilà, Théo, maintenant, il ramène tranquillement sur Louis Collin, qui était un petit peu en difficulté entre les deux pelotons. C'était ambitieux de faire ça, mais ça montre quand même
toute sa qualité sous son volume physique d'entraînement, parce qu'il est résisté longtemps. Il est resté longtemps, il a pris beaucoup de points en début de course. Il est en quatrième position pour le moment au classement. On a le 84 avec 10 points qui est en tête, le 83 avec 7 points en deuxième position et le 82 avec 6 points en troisième position. Ça ressemble à un triplé de l'équipe ligne droite sur cette course. Je pense, oui. Il va falloir juste que Théo fasse attention. Il y a encore dans Théo à 3 points d'avance, donc oui, il devrait être la tranquille. Messe est la messe dite. Voilà, on peut dire que le team ligne droite remporte à la fois le podium de cette course à points et pour le moment le podium complet sur le trophée international des trois pistes. Ils ont pour le moment une bonne demi-piste d'avance, hein, les deux échappés de tête. Raphaël Sylvain et Mathis Rocher. Alors que du côté de Longjumeau, Mathis Guérinel a décidé de réaccélérer le tempo. Et c'est alors que la cloche annonce le dernier, le sprint final. Voilà, je pense qu'il va y avoir 3-2-1 points pour Raphaël Sylvain et Mathis Rocher. Ça va être le sprint d'arrivée entre Louis Collin et Théo Majvar, le patineur de ligne droite et le patineur des Hosquettes. Voilà, donc à l'arrivée, les deux échappés de ligne droite, Raphaël Sylvain et Mathis Rocher qui lèvent les bras. Et c'est Louis Collin qui vient remporter le sprint du peloton, le Dossard 68 qui marque le dernier point. Voilà, on peut dire donc que le Dossard 84 Raphaël Sylvain remporte cette course devant le 83 Mathis Rocher et le Dossard 82 Théo Majvar à l'arrivée. 84, 83, 82. Alors au niveau des pronostics, on va voir qui a remporté cette course. On a dit 84, 83, 82. Et je n'ai pas, moi, sur le live Facebook, de bons pronostics. Moi non plus. J'ai eu tiercé dans le désordre, mais personne dans le bon ordre. Exactement, pareil. Voilà. Et ben donc, les lots de ligne droite et des Hosquettes sont mis de côté. Et on verra pour éventuellement faire une question, une question supplémentaire pour éventuellement que vous puissiez remporter ces lots. Voilà, on vérifiera de tout manière. On essaie de vous annoncer les résultats des pronostics en même temps. Mais bon, comme on n'a pas facilement accès, si ce n'est que par nos téléphones, à tous les commentaires, on fera une vérification un petit peu plus tard pour s'assurer que les lots sont bien donnés aux bonnes personnes. Et on essaiera de se contacter soit par Messenger, soit par Instagram. Alors sur Messenger, moi c'est facile à trouver, Pascal Briand, B-R-I-A-N-D. Sur Instagram, vous me trouvez sous le nom Pascal Briand 1976. Voilà. Et moi c'est facile de me trouver, Damien Soncarieux sur Facebook, et par contre sur Instagram c'est Roll Consulting. Alors on va passer au Junior A. Junior A pareil, on va avoir le même principe, des récompenses qui sont offertes cette fois-ci par la marque Silla, et on va avoir une gourde à offrir pour la course des Junior A femmes. Donc même principe, des pronostics. Moi je dis on cumule, hein, ce qui n'a pas été gagné avant, on le met sur celle-là. Ben, c'est parti. Allez, donc c'est parti. La personne qui remportera le classement aura donc une gourde Silla, un t-shirt ligne droite et une boîte de produits énergisants de la marque Hydrogène 4 offerte par le Eosquette. Alors on a sur ligne de départ Alison Bernardi avec le Dossard 76, Honorine Barraud avec le Dossard 87, une patineuse espagnole dont j'ai oublié le nom avec le Dossard 72, ensuite Marine Kervolen avec le Dossard invisible pour le moment, Marine Balanant avec le 92 en 5e position. Alors Marine Kervolen avec le 80. Alors je retire ce que j'ai dit. On avait un bon pronostic. Merci Jérémy Jolivet. Donc effectivement, il avait bien marqué Raphaël, Mathis et Théo. Allez, bravo. Bravo à toi. Donc effectivement, tu as remporté le t-shirt ligne droite et la boîte de produits énergisants d'Hydrogène 4. Donc n'hésite pas à nous envoyer un message de manière à ce qu'on puisse te faire parvenir les lots ou venir directement nous voir après les lives de la course située aux trois pistes. Voilà. Ou si quelqu'un de ton club est. Ou si quelqu'un de ton club est. Alors les juniors, voilà, ça va être franchement une course intéressante. Hein. J'avais bien hâte de voir cette bagarre entre Marine Kervolen qui a gagné le 1000 mètres ce matin, qui avait eu les deux premiers jours des trois pistes un petit peu plus compliquées, mais qui là, voilà, qui pointe voulant la quatrième place ce matin. Voilà. Alison Bernardi en tête du classement général et Honorine Barraud, la vice-championne olympique de la jeunesse, en deuxième place. Il a sûrement bien envie d'inscrire aussi son nom au palmarès des trois pistes. Voilà, les courses qui sont lancées, donc plus de pronostics. On peut continuer à commenter la course, mais plus de pronostics. Allez, j'accepte Nat Anko, mais c'est tout. Il fallait
Ah, désolé pour Florian et Nathalie, mais là c'est fini. Olivier, pareil, c'est fini. Désolé. Tout ce qui est passé, un peloton bien avec le dès le départ. Hein. C'est tout de suite, on se voit que c'est une course à points. On a envie de. Ça va rouler vite. Ça va rouler vite. Et puis bah, on est le dernier jour de ce trophée international de reprise. Et on a envie de se montrer en avant. On a envie de montrer les couleurs. Soit du Marine Caron, elle est dans une journée olympique, comme on dit chez nous. Voilà. Et qui est parti avec Antonia Fernandez du CSR Team. Attention, juste derrière, on retrouve l'Espagnol qui a gagné la course élimination hier, le Dossard 72, qui va venir remporter les premiers points. Oh, c'est chaud, léger changement de couleur en tout cas. Voilà, Marine Caron, 85. 2 points et Antonia Fernandez, 1 point. Avec le 90, derrière la 72, elle se replace. Honorine Barreau, elle revient, tout en glisse, super technique, j'adore. Sa poussée latérale, sa position, son transfert du poids de corps de gauche à droite en ligne droite, c'est un joli exemple. Alison Bernardi vient se replacer également. Et là, tu viens de le dire justement, Honorine Barreau qui vient faire l'accélération d'Alison Bernardi dans son patinage. Voilà, deux patineuses qui ont légèrement distancé Marine Kerbolen, la troisième qui mène ce peloton. Un peloton qui est tout en ligne, hein. Veut dire là, qu'il y a un gros rythme sur ce peloton. C'est même en train d'exploser, on a déjà deux cassures dans le peloton. On a six patineuses qui ont l'air de s'échapper, suivies de 12-13 patineuses. Et une petite cassure avec 7-8 patineuses qui commencent à être distancées. Et le 96 qui marque 2 points et le 76, 1 point. 87, 2 points, 76, 1 point. Donc pour le moment, une course très serrée, c'est encore le début de la course. On voit déjà quand même un petit groupe, 6 patineuses qui se détachent, mais qui n'ont pas envie de faire le break dès maintenant. Amanda qui essaie de faire la jonction. Pibrac qui est avec une autre patineuse, du coup, qui vient aller chercher des points avec le Dossard 83. C'est assez bien joué. Marine Balanon avec le 92, qui se réveille aussi, qui se met en action. Elle a plutôt tendance d'habitude à attendre, à patienter dans ses courses à points, mais là, elle a dit, ça va être une autre histoire aujourd'hui. Marine Balanon, du coup, 2 points, 83, 1 point. Elle a Alison Bernardi qui va tenter de revenir sur les deux échappées. Marine Kerbolen qui temporise un peu, qui oblige Honorine Barreau peut-être à prendre ses responsabilités en début de course. C'est assez risqué. On a trois jeunes demoiselles échappées, un groupe en chasse-patate mené par Honorine Barreau, un peloton mené derrière par une patineuse de Montreuil. C'est Ben Kaboun du club de Montreuil qui est en train de revenir sur les échappées alors que ça accélère devant par Alison Bernardi et Honorine Barreau qui font l'effort maintenant pour revenir en tête de la course. Mais et la venir 72, chercher 72 qui vient prendre la tête de la course. Alison Bernardi va prendre un point, la 72, deux points. 76, 1 point, 72, 2 points. Alors, qui va venir marquer les prochains points? On voit que le peloton se cache derrière Alison Bernardi. Et on voit Manon Fraboulet qui essaie de revenir. Amanda Aguirre qui tient la sprinteuse qu'on n'a pas encore trouvée depuis les blessures, qui met une attaque, qui a décidé d'aller chercher 2 points. C'est assez bien joué. Elle connaît bien cette piste. Elle s'entraîne ici avec le Pôle France, avec Mathieu Bauer. Alison se laisse pas piéger. Et elle revient. Ouais, elle revient. Et qui va venir remporter des points? Elle vient prendre Alison. Alison, 76, 2 points. Amanda, 1 point. Ouais. Alors là, par contre, c'est pas le duo idéal pour s'échapper. Mais le break est quand même fait. Derrière, le peloton ne réagit pas. Alison, elle se retrouve un petit peu entre deux eaux. Là, non, elle prend pas le risque de s'échapper. Elle a montré qu'elle dominait pour le moment cette course à points. Et du coup, c'est Paulin Ballanger qui profite un petit peu de la confusion pour relancer ce peloton. Avec Dansaro, Marine Balanon, faut se méfier. Et Lumna Ben Kamoun du club de Montreuil en troisième position. Voilà, et Pauline Ballanger maintenant qui a distancé le peloton avec Marine Balanon dans sa roue qui va venir remporter ses points. Ouais, et belle relance en utilisant la bosse, c'était vraiment bien joué. Marine Balanon qui prend là, 2 points. C'est parti. Et attention, Marine Kerbolen et Manon Fraboulet qui ont senti le coup venir et qui ont décidé de partir en contre. Là, la situation se complique. On commence à faire des nœuds tactiques. Les entraîneurs doivent commencer à bien faire les calculs des points parce que là, c'est parti. Marine Kerbolen, elle a l'air motivée à prendre les points suivants. Elle se retrouve quand même avec Manon Fraboulet, le 188. Marine Balanon, dans la roue, qui réussit à s'accrocher 92. Elles sont trois échappées. Honorine Barreau qui réagit un petit peu tard, mais qui réagit quand même. Voilà. Dans la foulée, Alison Bernardi réagit aussi. Voilà, il n'y a plus trop le choix. La 72 espagnole essaie de réagir, mais on voit que ça commence à brûler les jambes. Voilà, Marine Kerbolen qui marque 2 points. Et le 88, Manon Fraboulet qui marque 1 point. Et qui continue. D'ailleurs,
Là, on voit que ça tire. Hein. C'est, on voit qu'on est au troisième jour des trois pistes et on voit que c'est une course à points. Alors il y a beaucoup de retournements de situation. La leader au moment du classement, le 292, Marine Balanon, qui fait l'effort pour revenir sur Manon Fraboulet. Voilà, 5 patineuses. Et c'est Honorine Barrault qui remet la sacoche juste à l'extérieur avec Alison Barnadi dans sa roue. Voilà, Honorine Barrault qui va venir prendre 2 points normalement. Et Alison Bernardi dans sa roue qui va prendre 1 point. Est-ce que ça va être le cas? Oui, c'est le cas. Honorine Barrault, 2 points, le 287 et le 76, 1 point. Alors, on a maintenant 4 jeunes filles en tête. Ensuite, une points. Petite cassure. Avec 4 autres jeunes demoiselles, une petite cassure et le peloton qui essaie de revenir. Voilà, c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de. C'est un peloton qui fait l'accordéon. C'est il y a ça. Beaucoup d'écart. On a l'impression que ça va casser, mais ça revient toujours. D'un point de vue des points, comme tu disais, bah c'est serré. Pour le moment, la première à 76, elle a 5 points. Alison Bernardi. Ensuite, on a plusieurs patineuses avec 4 points, la 92, la 87 et la 85. Tout reste encore à faire dans cette course à points. Et alors que du côté de Pipac, le Dossard 42 a décidé d'accélérer. Dans sa roue, on retrouve, je crois, c'est Margot Rich du club de Sud Gouello. On retrouve encore Alison Bernardi. Et Alison Bernardi et Honorine Barrault qui font le contre. Ouais, Alison Bernardi, encore 2 points, 76. Ensuite, la 64. 1 point, Margot Rich. Qui continue. Alison, impressionnante sur cette course à points. Là, on voit la qualité physique de l'athlète. C'est sa spécialité, hein, la course à points. Ouais, c'est sa spécialité. Souvent forte, hein, sur ces courses extrêmement physiques. Hein. Mais rien de décisif n'est encore fait. C'est encore assez serré. Voilà. Il n'y a que 3 points d'écart. Ça peut jouer sur l'arrivée. Hein. Marine Balanon qui remet une attaque avec la 72 espagnole. Alison, incroyable. Qui commence à mettre les mains sur les jambes quand même, mais qui ne laisse pas les deux partenaires partir. Hein. Ouais, tout à fait. Et ça va être les points sur la ligne qui va venir marquer des points. Et je pense que Marine Balanon marque 2 points et le 72, 1 point. Le 92 qui marque pour le moment 6 points, qui est deuxième au classement provisoire. Derrière le 76 qui a 7 points. Et après une égalité de points pour la troisième place. Voilà, pour le moment, Alison, Marine. Allez, Manon Fraboulet qui retente par l'extérieur. Une belle accélération. Hein. Ouais. J'adore sa façon d'accélérer, que ça soit en ligne droite ou en virage. Ah, puis c'est une patineuse. Ça démarre. Hein. Très forte, hein, ouais. Manon Fraboulet. Et encore Alison Bernardi, alors, qui collecte beaucoup de 1 point. Mais qui est présente. Mais qui est présente. En tout cas, elle a de la glisse. Et elle est tout le temps dans les beaucoup. Elle se laisse pas piéger. En tout cas, c'est parti. Voilà, Manon Fraboulet qui fait l'écart. Alison Bernardi avec la 72. L'espagnol aussi échappé. Elles sont 3. Elles ont quelques longueurs d'avance derrière. Honorine Barrault essaie de faire la jonction. Et la 72 qui remet une attaque avec Alison Bernardi alors que la cloche va annoncer le dernier tour. C'est le dernier tour et c'est la patineuse espagnole de 172 qui attaque. Non, c'est Manon, Honorine Barrault pardon, à l'extérieur qui a pris la tête des opérations. Juste derrière, on va retrouver Manon Marine Balanon. Alors, j'ai un petit peu de mal. Antonia Fernandez, la patineuse de l'Alba pour le CSR Team en troisième position. Et c'est l'arrivée sur la ligne qui va venir chercher la victoire. Et c'est donc Honorine Barrault qui devrait remporter ses 3 points devant Antonia Fernandez et Marine Balanon, à confirmer auprès de la photo finish. Du coup, au classement final, on doit quand même avoir Alison Bernardi qui gagne avec 8 points officieusement. La Dossard 76, la deuxième apparemment la 87 avec 7 points. C'est officieux aussi. Ouais, parce que je pense que Marine Balanon, le Dossard 92, a marqué un point de plus. À l'arrivée. Voilà, c'est ça. 92 qui vient deuxième à égalité de points avec 7 points. La 87 troisième également avec 7 points, mais moins bien placée à l'arrivée. Donc ça fait 76, 92, 87. Est-ce qu'on a ça? 76, 92, 87. Quelle 87 c'est qui est? Est-ce que c'est Honorine? Parce qu'on a plusieurs fois ce pronostic là. Moi j'ai souvent Alison, Honorine, Honorine. Non, ouais. Alison, je voulais dire. C'est Alison, Honorine, Marine, Balanon. 76, 87, 92. Et moi, j'ai un bon pronostic. Moi aussi, je l'ai à 15h07 du moins. Ah ouais, alors là, le problème, c'est que sur le live Facebook, malheureusement, je ne peux pas voir l'heure. L'heure. Et là, ça va être compliqué. Moi j'ai, il me semble, sur ce live là en tout cas à 15h07, Antoine Alarcon. Alarcon, qui fait Alison Honorine Marine. Ah, il a pas dit quelle marine.
Ah ouais. Alors du coup, c'est pas valable. Alors moi j'ai Emma Pirodon qui elle a le bon classement avec le 76-87. Ah il a précisé après Marine Balanan. Ah ouais, donc bien joué Antoine. Tu sauves ta mise. Tu sauves ta mise. Pour le moment, du coup, t'es bien classé. Je vais vérifier sur l'autre live. On continue chez les garçons. Pour le moment, on est en train de regarder pour les filles. Mais chez les garçons, c'est la même chose. Donc, n'hésitez pas à balancer vos statistiques et vos pronostics. Parce que au coup de pétard, les paris seront fermés. Bon, je vérifierai après quand même tous les commentaires. Parce que là, ça va dans tous les sens. C'est difficile de contrôler. Maintenant, c'est la course des juniors. Un garçon, ils sont 29 au départ, 5000 à points, 25 tours. On retrouve en tête du classement Damien Joliet avec sa combine rose, noire et blanche du CSR. En deuxième place, Nils Lopp, le patineur espagnol pour le team ligne droite Powerslide. En troisième, Martin Belloire pour Powerslide ligne droite également. En quatrième position, c'est Germain Deschamps pour le team Simons Rana Racing. En cinquième position, un patineur espagnol de l'équipe de Victoria, la même club que Pachi. D'ailleurs, Pachi blessé, mais il est quand même venu voir les courses aux trois pistes. On l'a croisé ce matin, il est venu regarder le spectacle. Ouais. Après, on a Enzo Darnal du team Silla Lactique. Silla Lactique qui nous offre cette fois-ci le sac à dos à remporter sur cette course. Il reste aller à peine une petite minute pour donner... J'ai pas de pronostic sur le live. Ouais, moi j'en ai un paquet là, j'en ai beaucoup là sur le. Ah d'accord. Ah ça y est, ça commence. Freddy Papin qui a commencé. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont venir commenter? Ah et Freddy qui mentionne l'heure, c'est bien ça Freddy sur Facebook, c'est bien de mentionner l'heure parce que Christophe mets-moi aussi l'heure s'il te plaît. Sinon ça va être compliqué pour nous après. Voilà. Allez, c'est bien, on a plein de commentaires. On a également de plus en plus de spectateurs sur ce live. Thanks for watching this live. You're more and more people watching it. Soon we have the final from the senior woman and senior man race just after this junior A race. Top, c'est parti. So, let's go. Final, last race for the junior A men. It's a point race, 5K, 29 skaters to the start, 25 laps to go. Points every 2 laps, 2 and 1 point, plus point for the top 3 skater in the finish, 3, 2 and 1 point. Voilà, il y a 2 tours à vide avant que la cloche annonce la distribution des points. C'est Enzo Darnal, le team Silla Lactics qui est en tête. Silla Lactics qui offre les lots pour les pronostics des courses junior A. C'est parti un petit peu plus prudemment, ils sont juste 29 patineurs dans cette catégorie, c'est assez rare d'avoir que 29 patineurs en junior A. Ils sont aussi 52 en senior cette année, donc c'est des écarts, mais d'habitude on a un petit peu plus de junior. En tout cas, avec 29 patineurs, c'est normal d'avoir un départ plus prudent. Et ça commence à attaquer du côté du team ligne droite avec Neil Lopp, le patineur espagnol qui a commencé à accélérer deux et qui marque 2 points. Ensuite, Damien Joliet, 1 point avec le 96. Voilà, toujours Damien Joliet en tête de la course. Alors que la cloche retentit pendant c'est le deuxième sprint. Et c'est le patineur espagnol du Team Victoria qui est à l'amorce de cette accélération juste derrière. Ah, Germain Deschamps qui a piqué à l'intérieur et qui va tenter d'aller chercher ses points lui aussi. Ouh, Germain Deschamps, voilà, 72 points. Et 75, 1 point. Ouais, ça c'était un sprint intense, il risque de coûter cher. Derrière, il y a le contre qui se prépare. On a vu un petit patineur de je sais pas qui c'est dans le peloton. Ryan Dermier du club de Toulon. Toulon. Qui s'entraîne au pôle de Saint-Brieuc, qui est parti. Ah, c'était un joli contre, il a dû slalomer pas mal dans le peloton pour s'en sortir. Mais il a quand même réussi à mettre une belle attaque. Derrière, on se laisse pas piéger. Martin Belloire revient rapidement dans un petit groupe de 3 qui est en chasse-patate. Enzo Darnal qui mène le peloton avec Sacha Hutt avec Charlie Busch. Ouais. Alors que les points étaient donnés pour le Dossard 80 et le Dossard 88 si je ne me trompe pas. Voilà, alors que ça revient à l'arrière avec Johan Blo des Roller Men Cœur de Sarthe et Nicolas Fournier du team Cofidis. Martin Belloire qui a senti l'attaque venir et qui
a décidé de prendre la tête des opérations alors que les points vont être distribués sur la ligne. Allez, Martin Belloir qui va venir marquer des points sur la bataille avec Nicolas Fournier qui lui a fait corne. Au lancer de patin peut-être. Allez, Martin Belloir. Nicolas Fournier, deux, un point. Ça relance avec le 31 qui veut profiter de l'occasion pour soit étirer le peloton, soit faire quelques belles cassures. Johan Blow, voilà. Ouais, ça va faire mal en tout cas, puisqu'il y a des écarts entre tous les patineurs, c'est assez impressionnant. Ils ne sont pas très nombreux, 29 patineurs, mais il y en a déjà partout. Ça va casser. Hein. C'est que le début de la course pourtant. Celle-là, elle va faire mal, ça c'est sûr. Alors que Damien Joliet qui a lancé le sprint à 200 mètres de la distribution des points. Damien Joliet, le patineur du CSR Team, leader au classement général provisoire et qui vient prendre donc 2 points le 296 et le 88, 1 point. Alors là, on voit, ça va être... s'il y a un contre, ça peut faire mal, mais tout le monde doit être fatigué parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de temps de repos depuis le début de la course. C'est parti un petit peu dans tous les sens et pour le moment, c'est Germain Deschamps qui a décidé de reprendre la tête des opérations alors qu'il reste 13 tours, nous annonce-t-on au niveau du speaker. Voilà, toujours Germain Deschamps en tête, juste derrière Lucas Gournay du club de Château-Gontier que l'on salue. Il reste, bon, on a perdu la moitié du peloton déjà, on n'a pas passé la moitié de la course, il reste à peine 15 patineurs dans ce peloton. Que des costauds, ça c'est sûr, mais il va y avoir encore d'autres cassures. Je pense Germain Deschamps qui vient chercher 2 points, suivi de Dossard 85, qui prend un point. Voilà, Lucas Gournay, Dossard 85, qui a pris un point. Voilà, on salue au passage les patineurs du coup du club de Château-Gontier. D'ailleurs, il continue son effort, hein, Lucas. Il lui reste 200 mètres pour essayer d'aller chercher peut-être 2 points ou 1 point. Il emmène avec lui Germain Deschamps. Ça, c'est peut-être la bonne action. Puis, derrière, ça va coincer. Légère cassure de la part de Damien Joliet qui accuse le coup hein, parce qu'il a fait pas mal de sprints. Et le team ligne droite qui est caché derrière lui et qui, pour le moment, reste à l'affût. Voilà, le Dossard 70 qui marque 2 points et le 85 marque 1 point. Ça va pas être facile de remonter. En tout cas, Germain Deschamps, maintenant, il maintient la lueur. Derrière, Martin Belloir qui essaie de poursuivre, mais ça va être trop compliqué. Là, peut-être l'écart est maintenant fait. Il fallait peut-être réagir plus tôt, enfin, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que depuis le début tout le monde était à bloc. En tout cas là ça sent la bonne échappée. On savait que la course allait être dure, maintenant elle est peut-être pliée tout simplement. Il faut faire attention hein, parce que Germain Deschamps est un spécialiste hein, des efforts solitaires. Et Lucas Gournay également est capable de tenir longtemps des efforts intenses. Ils ont l'air de bien s'entendre en plus, ils jouent malin, ils se font pas les sprints pendant pour les points. On les voit un petit peu discuter ensemble et se mettre d'accord sur la configuration. Et derrière, ça relance. Le peloton n'abandonne pas pourtant le Dossard 31 qui relance la lueur. Et sérieusement, ça va encore exploser. On va encore perdre quelques unités. D'ailleurs, Mathieu Bornarel, le sprinter de Grenade, est un petit peu en difficulté. Ouais, c'est reparti du côté de Germain alors que Lucas Gournay commence à accuser un petit peu le coup. Et Johan Blow a décidé de relancer la machine au niveau du peloton. Alors que des points vont être distribués sur la ligne et le Dossard 70... qui marque encore 2 points et le 85 qui marque 1 point. Le 70 qui est en tête avec 10 points maintenant. Le Dossard 88 avec 4 points à égalité avec le Dossard 85. Et le 96 à 4ème place avec 3 points. Allez, on a vraiment là la configuration d'une course typique. Très physique pour une course à points. On a quasiment plus de peloton. On a un patineur tout seul. Ensuite, un patineur espagnol, le 75, en chasse patate. Puis un tout petit peloton de 6 unités. Un patineur, Lucas Gournay, qui revient discrètement dans le peloton. Trois patineurs qui s'accrochent pour revenir également dans le peloton. Derrière, deux autres patineurs distancés. Ouais, c'est très dur. Ça roule dans la curve et ça veut dire que ça veut... Ça va plus vite. Ça va plus vite, ça va plus relayer, surtout. Pour le peloton, derrière, ouais, l'échappée maintenant avec les Germain Deschamps, il semble avoir plié la course. Et il profite de la remontée du Dossard 75 pour engranger quelques points supplémentaires. Ouais, ça c'était un cadeau sympa. L'autre, il est revenu au bon moment. Pour lui offrir une petite fleur, en lui disant tiens, je t'emmène. Je vais t'aider. Ils ont un demi-tour d'avance maintenant derrière dans le peloton. Le peloton qui se regarde. Et c'est Martin Belloir qui relance ce peloton. Martin Belloir du team ligne droite, alors qu'ils ont un demi-tour de retard sur les échappés. Ouais, ça reviendra plus tôt. D'ailleurs, on ne doit pas être très loin de l'arrivée non plus. Ouais. Voilà, 75 qui prend 2 points et 70 prend 1 point. Voilà, Germain Deschamps toujours. En avance avec 13 points d'avance, 13 points pardon, et le Dossard 88 avec 4 points le deuxième.
le 88, c'est Neil Lop du team ligne droite et le Sar 85, le Dossard. Alors, Germain Deschamps qui a décidé d'écraser ses courses. Nils Lop qui derrière lui sur le peloton, il relance. Ça doit être le dernier tour. C'est le dernier tour qui vient d'être annoncé. Il prend l'incurvé, ça glisse. Et il se relance quand même. Il nous a fait quelques l'arrivée. Voilà, Germain Deschamps qui lève les bras pour marquer sa victoire devant le Dossard 75. Et à l'arrivée, Nils Lop qui remporte le sprint pour le 1 point. Bon, un peloton bien explosé. Ils vont être contents d'avoir terminé leur week-end. À 15 jours d'un championnat de France, les trois pistes cette ça année, commence à marquer, c'est une belle préparation. Ouais, ouais, tout à fait. Et alors maintenant, on va regarder qui a remporté. Voilà, moi j'ai eu trop de pronostics, je sais même pas si j'ai la force de regarder en détail qui est le vainqueur de ce pronostic. Je regarderai à tête reposée plus tard. Pour le moment, on va se focaliser sur la commentaire des deux dernières courses. Voilà. Alors, on n'a pas de cadeau sur les deux dernières courses. Hein. Il y a eu d'autres pronostics, mais c'est pour le fun. Voilà, tous les cadeaux, vous amuser. Voilà, les cadeaux, on les a déjà donnés. Pour le moment, on a deux courses. Pour terminer le programme des trois pistes, on a une course senior dame avec 37 participantes. Alors, une petite pause. Il y a 15 minutes de pause annoncée. Ouais. La traditionnelle pause juste avant les courses seniors, malheureusement. Pour présenter le corps arbitral et les champions du monde de l'année N-1. Alors, on va rappeler ça en anglais pour éviter de perdre quand même tous les spectateurs, parce que cette pause-là tombe au moment un petit peu délicat où il va y avoir le gros spectacle après. J'explique quand même les courses qui vont venir. Après, on aura un 10 km à prime, c'est-à-dire que tous les kilomètres, on n'a pas des points à gagner, mais des primes. 30 euros au premier sur la ligne, tous les 5 tours, pendant 10 km, pour les seniors dames comme pour les seniors hommes. À cela s'ajoute une petite prime surprise. Je me suis fait plaisir, je rajoute une prime pour ma chaîne YouTube autour 14 chez les filles. C'est ça. 14 parce que c'est mon premier dossard quand j'ai commencé le roller. Et donc il y aura 15 euros, 10 euros et 5 euros aux trois premières. Et une prime pour la course senior homme à 8 tours de l'arrivée. La même chose, 15 euros, 10 euros, 5 euros. Une petite prime pour ma chaîne YouTube, on va dire. En attendant, on aura donc 15 minutes de pause. Avant de revenir pour commenter le live, on va peut-être faire une petite pause café, nous aussi. Nous aussi, on va prendre des forces. Pour commenter les deux dernières courses. Voilà, ahora hay 15 minutos antes de la próxima carrera. Hay dos más carreras, los de las señor damas y señor hombres, que son un 10 kilómetros que no son con puntos, pero con dineros. Todos los kilómetros hay dinero a ganar para el primero que pasa la línea y va a ser en 15 minutos. We have the two more races to go. It's gonna happen in 15 minutes. It's gonna be a 10k prize money race. That means it's a little bit like a point race, except that the skater will not collect point for the final ranking. They just collect a prize money. It's gonna be 30 euros to win every kilometers for the first skater on the line. I also add a little prize money for good memory on this track. I will give from my YouTube channel 15 euro, 10 euro and 5 euro at lap 14 for the woman race. 14 because it was my first number when I start skating. And I will give a prize money of 15, 10 and 5 euro for the men race at 8 laps to go. 8 laps to go, but it's because I won 8 world title champion like Ewan Fernandez many years ago. So we will be back in 15 minutes to comment these two races. We have a little break and see you in few minutes. Thanks.
Voilà, on est de retour après cette légère pause. On est pour le moment sur la présentation officielle du corps arbitral et des champions du monde qui sont présents aujourd'hui sur ce trophée international des trois pistes. Voilà, c'est une partie de la tradition des trois pistes de remercier avant les courses, les dernières courses seniors, voilà donc les juges et les champions du monde. Voilà, en bientôt. Donc là, on a fini la présentation du corps arbitral, il va y avoir les champions du monde. Avec notamment Bart Swing, Gwendal Le Pivert, il me semble, Félix Reinen, Elton de Souza. Ensuite, on va enchaîner avec les deux dernières courses de la journée. Alors, deux dernières courses particulières, des courses à prime. Ça va être vraiment sympa. 10 km animés avec quelques attaques tous les 5 tours, donc tous les kilomètres. 30 euros à gagner
au premier sur la ligne. Je crois que c'est, je ne sais pas vérifier exactement, mais c'est la rumeur qui court autour de la piste. 30 euros au premier, tous les 5 km pour les seniors dames. Tous les kilomètres ? Tous les kilomètres, tous les 5 tours. Hein. Ouais. Donc ça va annuler la course, mais là, pour le classement général, qui est très serré encore, entre notamment Marie Dupuis et Juliette Puy-de-Bois, il va falloir être prudente. Est-ce qu'il va falloir aller chercher quelques primes ou est-ce qu'il va falloir se focaliser sur ce classement général ? En tout cas, à l'image, on voit donc Gwenda Le Biver, Félix Reinen, Partswing. Voilà, trois costauds. Trois costauds. Ouais. Et bah, impressionnant, tous les cas, il a gagné toutes les courses depuis Pibrac jusqu'à Valence hier et aujourd'hui à Gujan. Maintenant, ils vont aller rapidement se préparer parce qu'il y a une course pour les seniors dames et ensuite ils seront sur la ligne de départ pour ce 10 km à Primo. Encore quelques petites remises de trophées, notamment pour les clubs qui sont venus de loin, les clubs, notamment les clubs colombiens, le club de Ocol, Ocol Patinare, le club de Bogota Elite. Il y a un autre club colombien, là je ne suis pas sûr du nom malheureusement. Enfin, on a quelques clubs, voilà, 3-4 clubs colombiens ou espagnols qui sont venus encore faire le spectacle aux trois pistes. Et qui sont remerciés par le président de la fédération, monsieur Nicolas Belloir. Ah, j'ai hâte de voir quelle tactique va être utilisée par les seniors dames pour cette course. Est-ce que nos patineuses vont vouloir jouer les primes ou au contraire jouer la gagne La priorité, ça serait quand même... La raison voudrait d'essayer de protéger quand même ou d'assurer une victoire au classement général des trois pistes. Hein. On c'est est bien d'accord. Quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Juliette Puy-de-Bas peut réitérer. Je ne sais pas si elle a déjà gagné une fois. Je ne crois pas. Mais en tout cas... Marie Dupuis, c'est sûr, elle n'a jamais gagné en senior. Elle a une petite chance, elle est 2 ou 3 points, il me semble, derrière Juliette. Donc deux patineuses du même club, de Pibrac, mais qui ne courent pas ensemble. Juliette court pour les couleurs de Pibrac ou pour le club, enfin l'équipe Castellón, une équipe pour le marathon professionnel. Ensuite, Juliette, elle court pour Aeroskate. Marie court pour Aeroskate, je me mélange les pinceaux. Et elle a l'aide de Marine Lefebvre. Ouais. Et je mettrai moi une petite pièce sur Aura Quintana, je pense qu'il peut jouer les triples fêtes aussi de son classement général. L'espagnol, la colombienne licenciée en Espagne qui a remporté le 1000 mètres ce matin et qui signe à la 4e place du classement général. Ouais, je vais essayer de trouver le classement général avant cette dernière course. Peut-être que Thomas Boucher peut me trouver ça. Voilà. Et puis chez les garçons, bon, je pense que la suprématie de Bartswing est avérée et malheureusement on ne pourra pas le déloger de sa première place, ou heureusement pour lui bien évidemment, mais par contre c'est ouvert au niveau du reste du podium, puisque je rappelle que Nolan Bediaf a été sorti en demi-finale du 1000 mètres et donc du coup n'a pas pu participer à la finale, ce qui a relancé le challenge pour les deuxième et troisième places dans la catégorie des seniors hommes. Allez, notre agent secret Thomas Boucher, entraîneur des équipes de France jeunesse et jeunes, qui est parti nous prendre en photo les résultats. Il va nous envoyer ça sur nos téléphones dans quelques instants. On va avoir le détail avec les écarts de points exacts entre tous les patineurs, toutes les patineuses et tous les patineurs. J'ai hâte d'avoir ça. Il me semble que Juliette a 3 points d'avance sur Marie maintenant, ce qui est quand même un peu confortable. Si elle fait un marquage individuel, moi j'aurais tendance à faire ça. Elle fait un marquage individuel sur Marie et un peu la Messédite, ce qui pourrait ouvrir des portes à Aura Quintana pour remonter. Enfin bon, il doit y avoir quelques nœuds tactiques entre la victoire de la course, l'envie d'aller chercher quelques primes pour se payer quelques petits restos dans la semaine, pourquoi pas. Attention, il y a... Alors, je vais voir ça. On a Thomas Boucher qui est en train de nous indiquer s'il y a des résultats ou pas. Ah, apparemment... Les résultats sont pas marqués. Les résultats sont pas affichés pour le moment. Alors. Ils doivent bien exister quelque part, en tout cas, sans aucun doute. Toutes les seniors dames, elles connaissent les résultats. On pourra avoir une indication, en tout cas, quand elles vont se présenter sur les lignes de départ. Parce qu'elles seront, j'imagine, dans l'ordre du classement général. Moi, la rumeur que j'ai eue quand j'ai fait un petit peu le tour de la piste tout à l'heure, c'était que Juliette était en tête avec 3 points d'avance sur Marie. À cause du. Ou non. Non, après le 1000 mètres. Après le 1000 mètres, après le résultat du 1000 mètres qui a été remporté par Aura Quintana et où Marie Dupuis a fini 5e.
N'hésitez pas toujours à nous envoyer vos petits messages sur les commentaires du live YouTube, sur la chaîne de Pascal Briand ou sur le live Facebook. On essaie d'être à l'écoute de vos petits messages. So now we have two more races, the last two races of the trois pistes. Senior woman race is going to be a 10K prize money race. It's a little bit like a point race, except that there is prize money to win every 5 laps. 30 euro for the first girl on the line every 5 laps. So that means there is 9 sprints during the race plus the final sprint. The ranking will be done only on the finish line from the final sprint. Leading the ranking from Trappist is Juliette Pidova. Second, Marine Lefebvre, apparently. Third place, Marie Dupuis. Fourth, Aurélia Quintana. 5, Mathilde Pedrono. 6, Chloé Michel. 7, Maite Hassin. And 8, Chloé Moulis. From Cadomotus Team. Alors que le vent s'est invité. Ouais, it starts to be quite windy here at the track. It's a 200 meter track. The World Championship in 1994 was on this track. I think that was the first World Championship where we could see shaded rigs in those years. The public start to clapping. Yeah. On va avoir une ambiance de folie comme on trouve souvent à Gujan-Mestras autour de cette piste. On voit souvent une Ola d'ailleurs qui suit le peloton. Est-ce qu'il va y avoir encore cette Ola? Est-ce que Dominique Guérin va relancer de la Ola? Ouais. On va venir voir ça d'ici quelques minutes. En tout cas, 37 patineuses, 10 km à parcourir, des sprints tous les 5 tours, 50 tours de piste, 10 km to go, 37 skaters at the start for the 10K prize money race, 50 laps to go. Leading the ranking, Juliette Puydeba, I think she has 3 points. Advantage before this race, which is quite comfortable, but the race was very close between all those girls the last 3 days, so she just need to manage, I think, to get a top 3 to make sure to win this race. On retrouve également Mylan Leroux en deuxième ligne pour le team Bont et Nora Le Guenec. Chloé Michel en deuxième ligne aussi. Joséphine Alliot. Chloé Geoffroy, c'est Chloé Michel. Chloé Geoffroy, ouais. Première ligne. Je les confonds depuis le début du week-end, je sais pas on pourquoi. On a 3 Chloé dans le peloton. Alors qu'on a toujours des pronostics. Alors bon, il n'y a plus de choses à gagner au niveau du pronostic, mais vous pouvez quand même vous amuser à faire vos pronostics personnels. Voilà, alors qu'on annonce le point chaud pour la prime Pascal Briand pour sa chaîne YouTube. Si je rappelle, au tour 14 comme le numéro du premier dossard de Pascal pour ses courses. Et il donnera donc 15, 10 et 5 euros pour les patineuses qui franchiront la ligne. Et on est parti donc avec les seniors femmes, avec Juliette Pidoba tout de suite qui monte. En tête de course, juste derrière, on va retrouver Mathilde Pedrono en deuxième position. En troisième position, le team Eosket avec Marine Lefebvre et Marie Dupuis. Alors, qui va aller chercher la première prime? Ah, bah on va 30 euros. 30 euros pour le premier sprint. Chloé Geoffroy. Chloé Geoffroy, ouais, qui a une pointe de vitesse. Ouais. Elle est forte au 1000 mètres normalement. Elle est bien placée pour le moment. Voilà, elle n'a pas réussi à atteindre la finale tout à l'heure parce qu'elle a fait une petite erreur tactique suite à un faux rythme dans la course. Mais peut-être que là, elle va avoir à cœur de remonter au classement général. Alors que pour le moment, c'est une patineuse espagnole, le Dossard 19, qui est en tête. Juste derrière, un autre club espagnol, par contre, le Dossard 16. Et ensuite, la française Maureen S du club de l'Adel. Ça va changer un petit peu ce rythme de course parce qu'on n'est pas obligé de collecter 36 points. On peut faire son petit sprint, aller chercher sa prime, sort caché au chaud, garder ses forces pour l'arrivée. Il y a 10 km à faire donc c'est pas court. Ah, Aurélia Quintana qui remonte un petit peu par l'extérieur. Elle n'a plus trop de place à jouer au général, il me semble. C'est un petit peu loin pour aller faire un petit podium. Toujours quatrième, mais ouais, ça va être. Quatrième, mais un petit peu loin, donc ça va être compliqué. Alors que on va prendre la poche. Allez, au prochain tour. Annoncer. Première prime
Et ben pour le moment, on court pas après Mélanie Lisée. À l'air de dire, tiens, personne veut y aller. Moi je vais faire un curvé, mais c'est pas facile de passer. Et voilà, ben, tiens, Chloé Geoffroy, j'étais pas si mal que ça en Paris. Aura Quintana qui se réveille aussi. 30 euros pour la à première. Prendre sur la ligne, mais uniquement pour la première. Alors, qui est-ce qui va venir l'emporter? Ah, Aura Quintana à l'intérieur. Chloé Geoffroy qui semble avoir Chloé déjà Geoffroy, c'est Chloé 30 Geoffroy euros qui remporte 30 euros. Alors Juliette que qui dit, tiens, il y a peut-être continue. Un coup à jouer. Ouais. Une petite échappée éventuellement, ça c'est assez bizarre. Mais c'est aussi ça que ça peut faire les primes. Ça peut créer des occasions de s'échapper. Aura Quintana qui s'échappe, Juliette qui se laisse pas piéger, Marie Dupuis qui dit, oh là, il y a danger. Ouais, y a danger. Je vais peut-être perdre une heure de trois pistes, on y va. C'est un peu bizarre de l'avoir mené, c'est peut-être Marine Lefeuf qui avait fait le boulot depuis le début du week-end et qui devrait assumer cette tâche-là. Derrière le peloton, on reste tranquille. Je suis quand même hyper surpris de voir Juliette faire ça. C'est hyper opportuniste, mais ouais, c'est vrai que c'est tellement surprenant que ça va... Ça chamboule tout, mais bon, Aura Quintana est quand même une grosse fondeuse qui est spécialisée sur les marathons. Donc peut-être que Juliette s'est dit, tiens, si on partait à deux, on pourrait créer la surprise et prendre pourquoi pas un tour, hein, comme on a déjà vu plusieurs fois ici avec Jean Mestras. Mais c'est sans compter sur le team Eoskett qui avait décidé de jouer les troubles faites. Le peloton, on vient aller. Moi, la prochaine prime. Le peloton. Je pronostique Chloé Michel. Tiens. Chloé Michel ou Mathilde Perron? Non, Mathilde Perron, elle va peut-être attendre un petit peu. Chloé Michel, elle se fait sa petite échappée avec l'Espagne numéro 11. Elle se dit, il y a 30 euros à prendre. Dans combien? Au prochain tour, il me semble, dans un tour et demi. Allez, un petit effort de 200 mètres, on prend 30 euros. Pourquoi pas? Et c'est Maïté Assine qui est dans le. Ouais, qui est quand même assis confortablement dans la roue. Dans la roue de Chloé Michel, laquelle des deux va s'échapper. Chloé Michel qui regarde un petit peu derrière pour savoir si Maïté Assine décide d'attaquer ou reste collé. Et hop, ça y est, c'est Chloé Michel qui lance l'accélération. Maïté Assine qui est bien calé derrière sa roue. Belle trajectoire, ça va être difficile de la doubler. Et Chloé Michel du coup qui vient remporter. En tout cas, elles peuvent continuer, elles ont presque un demi-tour d'avance. Ouais, il faudrait qu'elles s'accélèrent. Et ça continue d'ailleurs, c'est bien joué, elles peuvent se dire, allez, 1 km de plus à faire, 30 euros, si elles sont malines. Ça peut se si faire. Si le cas, elles se partagent un petit peu les rôles. Ah non, ça joue pas au niveau de l'espagnol, ça veut pas faire le boulot. Pourtant, ça roule pas derrière. Il faut... Petite pente à cadenasser le peloton. Pour elles n'ont rien à perdre au classement général. Mais c'était l'occasion d'y aller. Et je les vois qui discutent ensemble et qui travaillent. Ça négocie, on partage les primes, on partage pas. Non, ça veut pas y aller. Ah, c'est incroyable, elles avaient un demi-tour d'avance. Du coup, c'est Mylène Leroux qui ramène le peloton. Tranquillement, sans forcer. Bon, en tout cas, ça crée des opportunités, mais il reste encore 8 km de course. Il y a de quoi faire. Alors qu'il y a Maria René Juarez sur le live Facebook qui donne les temps au tour. 20 secondes au tour, 19-2. C'est vrai que c'est des temps d'entraînement et d'échauffement plutôt que des temps vraiment rapides. 22 secondes, merci Maria, grâce à ce Maria Juarez. Donc voilà, just to explain, it's not really a point race, it's a price money race. So every 5 laps, there is a sprint, and so every kilometers, and the first woman crossing the line is winning 30 euros. 36 laps to go. That's gonna be the bell, and next lap, 30 euros to take for the girl who crossed the line first. Et Mylène Leroux qui s'échappe. Mathilde Pedron qui fait un petit bloc, c'est bien joué. C'est peut-être 30 euros facile à prendre là. Et Nora Lognac, elle n'a pas réagi. Derrière, on est calme aussi. Allez, une petite prime facile. Voilà, et Mylène Leroux qui part seule à la chasse de ce point chaud, alors qu'il reste maintenant 31. Avec un peu de culot, ça aurait valu le coup de peut-être tenter l'échapper. Parce que vraiment, on voit que personne ne veut rouler derrière. Maëlan, elle n'est pas dangereuse au classement général. Elle a montré une bonne capacité à rouler depuis le début du week-end. Elle aurait peut-être dû tenter l'échapper. Bon, en tout cas, elle a fait 30 euros facile. C'était pas un effort surréaliste sur cette action. Alors qu'on a quand même deux pelotons hein, bien distincts dans ce groupe de seniors femmes. Et Mylène Leroux qui reprend la tête des opérations. So 30 euros for Mylène Leroux from Team Bond. Quite a busy sprint actually. She was alone to go. The pack was blocked by Mathilde Pedrono. So it was quite easy to do. Every 5 laps, 30 euros to win on the line. Allez, ça reste très calme pour le moment. C'est vrai que... C'est une course en ligne, en quelque sorte. Quand même, il y a des filles qui jouent le classement général, notamment Marine Lefeuvre, Marie Dupuis et Juliette Puy-de-Bas.
Alors qu'on voit Nolwenn Boudot de Boudet à l'intérieur qui tente peut-être une attaque. Ah non, ça va se refermer. C'était un petit peu compliqué d'attaquer par la corde, mais en tout cas, elle a pris la tête de la course. En deuxième position, on retrouve les couleurs de Lyon Roller. Allez, le dessert, 31. Et une attaque espagnole cette fois-ci qui est lancée. Et Maureen S du club de l'Adel qui répond à cette attaque. Alors, c'est qui? C'est la patineuse espagnole? Ouais, c'est la coéquipière de Maïta Asin. Une patineuse qui était dans l'équipe espagnole l'année dernière au championnat du monde d'Europe. 30 euros dans la poche de la Dossard 13. Moi je trouve ça assez sympa parce que ça distribue pas mal de l'eau quand même, mine de rien, à des patineuses qui ont fait des efforts tout le week-end, qui n'ont pas forcément réussi à prendre le contrôle de la course ou eu des bonnes opportunités. Au moins là on se dit, allez, si je calcule bien mon coup, si j'attaque au bon moment, je peux avoir une petite prime. Voilà un pack coupé. Un peloton très compact en tout cas. C'est vrai que le vent s'est un peu levé aussi. On cherche tous à s'abriter, nous y compris. Ouais, on commence à avoir un petit peu. Il commence à faire un petit peu froid. Mais bon, on va résister. Il reste encore deux belles courses, dont une qui est en train de se dérouler sous vos yeux. Et c'est Nolwenn Boudot toujours en tête de ce peloton. Alors que normalement, le prochain Pacho va être lancé d'ici trois tours, si j'ai bien compté. Alors, j'ai le classement général, le détail. Merci Nathalie Planel. Alors, Juliette, elle est en tête avec 12 points. D'accord. Elle a 3 points d'avance sur Marie et Marine. Elles ont égalité, elles ont 15 points toutes les deux. D'accord. Et Aura Quintana est donc 4e avec 17 points. Donc c'est assez compliqué du coup pour Juliette Pudor. Est-ce qu'elle doit marquer à la fois Marie et à la fois Marine? Les deux patineuses de la même équipe. Et en tout cas, du côté espagnol, avec la patineur 11, on a décidé de faire les primes. Elles ont fait la prime précédente et celle-là. S'ils en font une sur deux comme ça, c'est pas une mauvaise tactique. Elles n'ont plus rien à gagner au classement général. Donc pourquoi pas aller chercher l'argent. Merci Nathalie en tout cas pour le détail du classement général. Ça va nous aider, nous, pour les commentaires. Alors qu'en tête du peloton, c'est Flavie Ballandras qui a repris la commande de ce groupe. Et ça se repositionne derrière elle. Et c'est les couleurs du team Rollerblade France, représenté par Alicia Delomé, qui fait l'effort maintenant pour revenir sur Maïté Assine. Du coup, c'est assez calme quand même comme course. On n'a pas eu trop de sprint, très bien. Oula, Sacha Hutte derrière Marie Dupuis, pas passé loin de la chute avec Chloé Michel et Marie Dupuis. Saludos, Rulo Well de Argentina. Derrière, vous avez là la présence de Flavie Barbas pour Lyon Roller Métropole. Voilà, alors qu'il va rester à peu près une vingtaine de tours, hein, si je ne me trompe pas, dans cette course à point chaud. Ouais, je crois que dans deux tours, on aura la prochaine prime. Ah, c'est assez compliqué parce que c'est vrai qu'il y a une partie du peloton qui veut jouer le général. Et une autre qui veut jouer des primes. Alors Alicia Delma qui commence à accélérer. Et c'est reparti encore du côté espagnol en tout cas. Pour le moment on a bien compris. Chloé Michel, elle a décidé aussi de faire les sprints. Elle se dit finalement c'est peut-être pas si compliqué. Marina Meurou, elle se prend au jeu aussi. Voilà, on a donc trois filles maintenant qui se lancent pour ce sprint. Il y avait les sprints faciles jusque là. Maintenant ça se complique un peu. Trois filles qui partent, qui peuvent s'échapper aussi. Ouais. On a quand même Chloé Michel, en tout cas, elle part et voilà, 30 euros pour Chloé Michel. Si elle regarde bien, c'est le moment d'y aller parce qu'on peut facilement faire l'écart. Maëlène l'abandonne. Chloé, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh ben non. Elle garde encore ses forces. Ouais. On n'ose pas pour le moment. Ah, je vois qu'il y a pas mal aussi de petites poussières dans le virage là-bas. Pour l'incurver, c'est un petit peu plus compliqué. C'est vrai qu'il y a du vent là depuis une petite heure. Et ça revient avec le 8, Maïlaine, le roule, on va être sérieux. Allez, peloton groupé à nouveau. Après chaque sprint. Voilà, avec la prime
il y aura une prime au tour 15 et au prime au tour 14. Alors peut-être que ça va... Ça va gonfler un petit peu. Ça va gonfler un petit peu le portefeuille et créer plus d'opportunités pour le moment. Tiens, Élise Dumont sur l'extérieur qui a l'air de se préparer. Encore un petit peu timide, elle n'a pas osé peut-être poser une attaque. Pourtant, c'est vrai qu'en attaquant de loin, ça peut décourager les autres d'y aller. À condition d'être prêt à tenir l'accélération. Ouais. Alors que toujours c'est Maïlan Leroux du Team Bont. Oh là, ça commence ça frite alors là. Ouais. Du côté de la Belgique et de Chloé Geoffroy. Il y a des jeux de reins. Alors. Alors on doit être du coup à 15 tours de l'arrivée et bientôt à 14. Avertissement numéro 6. Et c'est parti. Alors je pense qu'on doit être autour 15. Maïté. Accéléré le rythme. Ouais. Du côté de l'Espagne, en tout cas, on joue les primes. On s'est bien rangé les poches depuis le début de la course. Elle va prendre les deux primes à la suite, c'est bien fait joué en tout cas. Derrière, qui accélère. Avec Mathilde Pézon dans la roue, en tout cas. Ça va durcir un petit peu la course, peut-être un moment décisif, peut-être que ça va créer des contres. Et là, des primes aux trois premières, 15, 10 et 5. Et Maïté Hassine qui va venir remporter la deuxième prime, la prime Pascal Briand. Allez, Nolwenn qui prendra 5 euros, Mathilde 10 euros, 15 euros pour Maïté. Elle aura fait quand même 45 euros en 200 mètres. C'est quand même joli. Il y a pire. Voilà. Et c'est pas la première. Elles ont pris, je pense, entre les deux Espagnols, plus de 100 euros, hein, puis facilement, je depuis le début de la course. 3 sprints plus le sprint Pascal Briand. Allez, 13 tours. C'était le bon moment pour mettre un contre, peut-être. En sachant qu'il va y avoir une prime dans deux tours maintenant. Ouais, ça n'a pas l'air si facile que ça, parce que je regardais du coup Maïlan qui passait. Oula, sa chahute derrière Maïlan Leroux, justement. Ça grimaçait un petit peu. Le week-end a été long. Il y a eu beaucoup de courses. C'est vrai que dès le premier jour, il y a eu 4 courses. 4 courses le premier jour, 2 courses. Hier, deux courses hier dans les courses sur route. Voir les jambes un peu lourdes. Là, il faut faire des sprints régulièrement. Et surtout, on se réserve un petit peu pour le sprint final, pour le classement final. Marie qui fait un marquage individuel sur Juliette. Marine Lefebvre qui se fait un petit peu oublier ou qui fait un marquage individuel sur Quintana. Ouais, on peut déjà lire un petit peu les tactiques à peu près 10 tours de l'arrivée. Sachant qu'on a égalité de points entre les deux. Allez, nouveau sprint. Et c'est encore une Espagnole qui va. Et cette fois-ci, Maïlan Leroux. Non, elle veut y aller, mais les jambes ne répondent plus. Ça sera pour une autre fois. En tout cas, carton plein quasiment pour les Espagnols qui ont bien compris comment courir une course à 10 km prime. Et qui font le jeu. Et elle pourrait presque continuer parce que derrière, ça roule pas encore trop vite. Allez, 30 euros de plus pour la Dossard 13. Elles étaient 3 les Espagnoles et elles se sont un peu réparties la tâche. Au moins avec les deux patineuses 13 et 11. Mais un beau travail d'équipe du moins. Depuis le début. Ah, Joséphine Alliot qui la tête des courses. La tête du peloton qui ramène en tête. On est donc à 9 tours de l'arrivée si j'ai bien compté. C'est bien ça. C'est bien ça, on est à 9 tours de l'arrivée. Ah, 10 tours. 10 tours. Non, un petit peu moins parce que le sprint était autour de 10. Ouais. Enfin, donc on s'est fait avoir par les commentaires de Daniel. Dominique, pardon. Dominique. Enfin, je pense que de toute manière, voilà, ça n'a pas été une course quand même trop dure, même si le week-end a été dur. Ça va démarrer assez tôt, je pense, sur ce sprint final. Il faut quand même aller chercher la victoire aux 3 pistes. Ça commence à remonter du côté des Espagnols. Juliette Puydebas, 3 points d'avance au classement général. Il suffit qu'elle fasse dans les 3 premiers de cette course pour remporter le trophée des 3 pistes. Ça serait quand même assez exceptionnel pour sa carrière. Elle est marquée par Marie Dupuis. Juste derrière, on retrouvera Quintana qui est marquée par Marine Lefebvre. Voilà les 4 premières au classement général. Les Espagnols qui repartent encore pour les primes. Incroyable, elles auront fait quasiment toutes les primes. Il reste donc 6 tours. Deux Espagnols qui s'échappent. Juliette à l'affût qui se replace. Elle veut passer ses piégés. Et qui se replace en tête du peloton. Juste derrière, on retrouve Marie Dupuis. Il reste donc 1 km à parcourir. Aura Quintana à l'extérieur. Le peloton qui est mené par Enora Le Guénec. Mathilde Pédon qui se replace. Il reste 1 km exactement. Oula, ça passe dans des petits trous de souris. Ça chahute entre Enora et Mathilde. Juliette à l'affût, bien placée. Marine qui a perdu la roue de Juliette Puydebas, il me semble. Non, elle a réussi à revenir rapidement. Aura Quintana
toujours marqué de très proche par Marine Lefebvre. Et qui se repositionne en position 3 derrière Marie. Petite vague à l'intérieur, ça va chahuter. Tout le monde reste debout. Ouais, ça, la pression monte. Le team band qui est chahuté par Juliette Pudeva. J'ai pas compté les tours, mais c'est peut-être 3 tours sur la ligne. I think we have 3 laps to go. 3 laps to go, 600 meters. Before final sprint, Juliette Pudeva with number 29 need to get a top 3 to win the final trophy of Trappist. Voilà, le team bond qui a décidé de durcir la course alors que Juliette Pudeva est partie à l'extérieur. À 400 mètres. Quasiment 400. C'est la meilleure tactique pour ne pas prendre de risque. Enfin, pour ne pas prendre de risque. Elle est quand même. Ouais, ça va être chaud quand même. Il lui reste 400 mètres Marie à faire. Dupuis. Et choper un podium. Aura Quintana à l'intérieur qui est parti. La cloche qui est annoncée. Ça lui reste 300 mètres. Voilà, c'est les patineuses qui peuvent remporter ce classement. Aura Quintana qui est à l'avantage juste derrière. On va retrouver Marie Dupuis en troisième position au coude à coude. Juliette Pudeva et Marine Lefebvre. Oh, Juliette, attention, justement, on a peut-être un retournement de silence. Il faudrait que Marie Dupuis termine devant Aura Quintana pour remporter le Juliette classement. Juliette passe un top 4, Juliette est 5e, Marine est 2e. Elle va peut-être remporter les 3 pistes. Attention, Marie Dupuis qui gagne la course, qui gagne l'angle des 3 pistes. Juliette 5e. Ça va être très serré. J'ai même l'impression que Marie Dupuis va gagner le classement général, que Marine Lefebvre va finir deuxième et que Juliette va finir troisième. Peut-être, c'est possible. C'était peut-être un peu dangereux d'avoir lancé le sprint d'aussi loin dans cette dernière course. De toute façon, il incroyable fallait le... Incroyable terrain, incroyable finish en tout cas. Gros retournement de situation. Officieusement, je dirais que Marie Dupuis a gagné les 3 pistes. Pour une roue d'avance sur Marine Lefebvre, j'ai l'impression. Mais je crois que Marine, peut-être même troisième, là. En tout cas, elle doit faire deuxième général. Juliette Pudeva, troisième du général. Sacré finish de l'équipe Eoskate. On va attendre le résultat officiel. Mais c'était une course très très serrée. Ouais, c'était bien joué en tout cas des quatre prétendantes au podium, ce sprint final. Et effectivement, Juliette qui a tenté le tout pour le tout. Marie Dupuis, voilà, qui a remporté. Deuxième, Aura Quintana. Alors, du coup, voilà, Marie Dupuis va gagner le classement général, si je ne me trompe pas. Deuxième, on aura peut-être quand même Juliette Pudeva. Et troisième, Marine Lefebvre. J'imagine, si je ne suis pas trop nul en maths, ça doit être quelque chose comme ça. Alors, il nous reste une dernière course. One Juliette, more race. Juliette finit cinquième. Elle finit cinquième. Mais donc, cinquième, comme Marine fait 3, elle est quand même à un point d'avance au général. Donc, je pense que c'est Marie Dupuis 1, Juliette 2, Marine 3. En tout cas, il nous reste une seule course. We have one more race to go. It's going to be the same kind of race. 52 skaters, the starting line. 10K price money race. 30 euros every 5 laps. For the first skater, 50 laps to go. Moi, je vois bien quelques attaques de Jimmy Jouet sur cette course. Ah, je pense parce qu'il nous a montré, il a marqué les esprits. Il a un caractère offensif depuis quelques courses. Au 1000 mètres, il a fait le spectacle. Voilà, on nous confirme que Marine Lefebvre fait 3e sur cette course, que Juliette est donc 5e. Voilà, si nos calculs non officiels sont bons, on aura donc Marie qui gagne les 3 pistes, Juliette Pudeva 2e des 3 pistes et Marine Lefebvre 3e. Voilà, un petit peu de bouée de la part des spectateurs sur les rambardes pour accueillir le leader du classement qui est venu ici spécialement pour écrire son nom palmarès. Encore fallait-il qu'il gagne les courses. Pour le moment, il le fait très bien, il gagne toutes les courses. Bart Swing. Ensuite, on retrouve la suite du classement général. On va le découvrir en même temps sur la ligne. Donc Bart en première position. En deuxième position, on retrouve Nolan Bediaf, toujours malgré sa non-qualification finale, il défend sa place. Troisième, Diogo. Quatrième, Timothy Luino. Cinquième, Flavien Fouché. Une belle surprise aussi là. Sixième, Félix Reinen.
Victor Aerts, Gwendal Le Piver aussi sur la première ligne, avec sa deuxième place sur le 1000 mètres ce matin. Sur le 1000 mètres, voilà. Encouragement à Diogo de la part de Enrique Costa. Alors on nous demande, Renault Makeup nous demande si c'est une course internationale. Yes, it's an international race. It's the famous three-piste race. It's one of the classic race on the track. It's on 3 days, 1 day in Pibrac, 1 day in Valence d'Agen, and the last day in Gujan-Mestras, here near Bordeaux. Et Timothy Lubino, il devrait nous faire un peu de spectacle sur sa piste aussi. Il va quand même aller chercher quelques primes. Le classement général, allez, pour la première place, il est un peu plié. Il faudrait que Bart ne soit presque pas dans les 8 premiers pour pas gagner. C'est presque improbable. Derrière, par contre, entre Nolan et Diogo, ça doit être très serré. Et une deuxième place aux 3 pistes, ça se défend jusqu'au bout. À mon avis, Nolan et Diogo, ils vont être assez patients. Pour le sprint, Gwendal. Je devrais bien aller chercher quelques sprints. Il a montré ce matin en finissant deuxième au 1000 mètres derrière Bart qu'il avait la pointe de vitesse. Ouais. Ouais, effectivement. Timothy, c'est sûr. Il va nous mettre quelques attaques. Marek Guérinel, hein, qui était aussi finaliste du 1000 mètres, qui serait capable d'aller chercher quelque chose. Jimmy Jouette. Il a du panache aujourd'hui, il va retenter quelque chose. Et puis alors faites attention, on n'en a pas beaucoup parlé, mais je vois Victor Aerts juste à côté donc de Gwendal Le Piver qui s'entraîne également sur cette piste puisqu'il est au pôle France de Talence. Et il serait capable, avec sa pointe de vitesse, de partir en avant et pour aller chercher la prime. On a également Flavien Fouché pour le team ligne droite Power Slide. Allez, c'est parti, 50 tours à réaliser, 50 laps to go. Bart Swings leading the pack with Valentin Thibault taking the lead now from the outside. Price money for 30 euros every 5 laps. 30 euros à prendre tous les 5 tours et le team Power Slide. Pour le moment, qui cadenasse le début de la course. Derrière, Bont et Oskate, Rollerblood à l'affût de la moindre erreur. Victor Aerts aussi. Et c'est tout de suite... Valentin Thibault qui va... Alors, qui va lancer le premier sprint qui Je pense que Valentin Thibault aura peut-être à cœur d'aller le chercher. Ça ressemble à une belle relance de Valentin qui se prépare de l'avant avec un bloc des Power Slide. Mais méfiance, c'est long quand même à 10 km. Il y a du vent aujourd'hui. Allez, dans deux tours, on a la première... Oh, petite chute. Donc, voilà, Jimmy Duet qui est tombé dedans, malheureusement. Ouais. Alors, Bruno Tavant du club de Mouilleron. Et un autre patineur que je ne reconnais pas. Allez, Jimmy, courage, allez, c'est possible de revenir. Ça complique un petit peu la donne parce qu'en plus, il va y avoir la cloche pour le premier sprint. Si tout le peloton, regarde, ça se dessine assez clairement. Pour le sprint, non, c'est même Bart Swing en personne. En personne qui va aller chercher le premier point. Bon, c'est la bonne opportunité quand même pour Jimmy. Ça va lui permettre de revenir parce que c'est sûr que s'il était 2-3 à aller jouer celle-là, on aurait tout de suite roulé à 60 à l'heure. C'était plus la même musique. Là, Jimmy, ouais, ça pique les jambes, mais tu peux revenir. Et est-ce que Bart va créer la surprise en essayant de tenter l'échappée? Moi, je le vois bien essayer de continuer. Diogo, il va pas se laisser endormir, il y va direct. Il a bien compris que Bart, il peut faire c'est quand même... 5, 10, 15, 20, 30 tours comme ça, c'est pas un problème. Nolan, il est obligé d'y aller aussi. Et du coup, le peloton réel avec le Jimmy, il n'a pas encore fait la jonction. Il est à 10 mètres derrière et tout le monde est à fond. Alors là, c'est un petit peu compliqué. Maintenant, voilà, Bart, il continue. Il a pris 30 euros. Diogo est revenu. Timothy le marque à la culotte. Nolan qui fait l'effort aussi pour revenir. Ouais. Ouais, ça roule déjà très très vite. Hein. On voit que la moitié du peloton a déjà mal aux jambes. Bah, le peloton fait une ligne droite complète en enfilade. Ce qui est quand même impressionnant. Oui, on n'oublie pas Quentin, vous inquiétez pas. Quentin qui est pour le moment en poste à la 7e position. Le team Rollerblade, pour le moment, je pense qu'il va attendre un petit peu que Power Slide et Bont mènent les débats et qui va probablement tenter sa chance juste après. Voilà Quentin et Mickaël Paes avec leur tenue jaune fluo. Encore 42 tours à mener, c'est toujours Bart qui est en tête. Alors au prochain tour sur la ligne, vous allez avoir la cloche qui va retentir pour annoncer le prochain point chaud.
et c'est Valentin Thiebaud qui se porte en tête. Pareil, le Team PowerCell qui va tenter de faire c'est bien joué, le même travail que les Espagnols tout à l'heure chez les femmes. Ils vont se partager les primes. Valentin Thiebaud, c'est un sprint facile en plus. Du coup, personne n'est venu le titiller. Et là, par rapport à Bart, personne ne va le chercher. Donc, est-ce que Valentin continue? Il hésite. Il a fait un petit tour dans l'incurvé. Non, c'est un petit peu tôt. C'est vrai qu'il reste encore 40 tours. Et même si Valentin est un très bon coureur, il est plutôt adepte des courses courtes que des échappées au long cours. Ouais, et puis, ils peuvent se permettre de se regrouper, d'avoir un contrat avec Timothy plus tard. Ça serait pas très rentable de faire 5 tours à fond devant pour 30 euros. Il y a moyen de mieux jouer tactiquement. Donc bien calculé, Valentin, c'est bien calculé. De belle patience. Alors que notre trouble fait Jimmy Jouette se retrouve maintenant au milieu du paquet. Et on est content pour lui, il a réussi à remonter dans ce groupe. Il est caché derrière le team ligne droite Power Slide. Ouais, ça a quand même ça m'a fait mal aux jambes juste à le regarder remonter. Parce que remonter quand un peloton roule à 55-60 à l'heure comme ça devant pour revenir sur un bar, et ben Jimmy il a dû faire un sacré effort. Et j'ai eu mal aux jambes pour lui. Voilà, toujours Valentin Thiebaud qui est en tête de ce peloton mené par le TGV blanc et bleu du Gwendal Le Pivert a l'air assez patient. On aurait pu imaginer de le voir faire un sprint, ça devrait pas tarder. Maintenant c'est au tour de Félix. Félix qui va cette fois-ci avec Nolan. Et qui est marqué et bloqué par Bart. Ouais, Bart on est à la limite de la faute d'équipe, il faut faire attention quand même. Et du coup Bart qui a pris, les devants. Ouais, Félix s'est rangé. Pas mieux de sa forme. Voilà, attention, faute Timothy maintenant. Allez, Nolan à la corde. On va se batailler pour les 30 euros. Ouais, très bien, Nolan qui vient chercher. Très belle trajectoire. Ça, c'est un cas d'école. C'est the move of the day, comme dirait Target. Et le contre de Félix. Avec Diogo dans la roue. Ça peut faire mal pour le classement général. Nolan, est-ce qu'il a vu venir celle-là? Non, Félix qui part et Paez. Paez. Bien joué, Nolan, il réagit quand même, il n'attend pas trop. Il y a une légère cassure maintenant, 6 patineurs qui sont en tête avec le jeune Bastien Lhomme du team Bont pour le club de l'Adel. Et Bart pour le moment qui temporise. Et on est quasiment dans la cuve. Allez, tiens, Matteo Carvalhem qui met son attaque. Allez, en fondeur, en coureur à point, il est parti. Première année senior pour ce jeune patineur du VRS. Ça va être dur, ça va faire mal à Félix, mais il ne le laisse pas partir. En tout cas, du côté de Powerside, on a décidé d'aller prendre toutes les primes. Mais Nolan en a quand même pris une, il ne s'est pas laissé faire. Il a été chercher 30 euros. Matteo, c'était une belle attaque, mais... Qui a été contré direct par Félix. Félix Reinen. Ouais, amazing move from Nolan in the last sprint with Timothy. C'était pas facile à faire parce que Timothy connaît sa piste par cœur. Allez, une petite attaque, Bart qui va partir. J'ai l'impression. Bart qui reprend. Dans la curve, c'est ce qu'on veut voir. On adore ça. Diogo qui réagit tout de suite. Super, voilà. Avec toute sa vitesse de jambe. Mais ça va faire mal. Mike Paez qui vient se replacer. Et qui fait l'effort maintenant. Qui va ramener le peloton sur les deux échappées de tête. Elles sont pas mal ces primes parce qu'elles obligent les patineurs. Là, du coup, aller dans la cuve. Allez, Diogo à l'extérieur, Bart à l'intérieur, comment ça va se passer en sortie de virage? Non, il n'y a pas photo, si ça peut revenir jusqu'à la ligne. Diogo qui prend la prime. C'est la classe quand même, avec un petit sourire de Bart qui s'est relâché un peu tôt, il a oublié comment fonctionne une incurvée, et Diogo est venu lui rappeler. Et Diogo qui poursuit un petit peu son effort, est-ce qu'il va tenir cette échappée, est-ce que Bart va réagir? Oui, Bart commence à revenir sur l'homme de tête. Mickaël Paez qui s'est invité. Voilà les trois teams mondiaux qui sont en tête de cette course avec un virage d'avance. C'était magique en tout cas. Moi j'ai adoré. C'est un luxe quand même qu'on peut pas se permettre, que tout le monde peut pas se permettre. Faire une incurvée, revenir, prendre en Bart dans les deux derniers mètres, ça vaut un titre de champion du monde presque. Alors, est-ce que c'est l'année de Diogo pour être champion du monde? En tout cas, maintenant, on a trois coureurs échappés. Diogo, Bart, Mike Paez. Il y en a au moins deux des trois qui vont rouler dans l'échappée. Et Bart, il roule aussi. Il se dit, tiens, allez, pourquoi pas. Et ça travaille derrière, intelligemment à trois. C'est des trajectoires magnifiques. Un peloton tout à la queue leu-leu qui prend un curvé sur le premier tiers du virage, qui plonge corde, qui reprend la bosse en sortie. C'est toute la beauté des pistes paraboliques. On adore ça, les pistes incurvées. Alors que du côté du peloton, c'est le TGV Powerslide qui canasse la course, emmené par Valentin Thiebaud, Timothy Lumineau et Félix Reinen. Voilà la cloche qui a retenti pour annoncer le sprint. Qui va venir l'emporter de Mickaël Paez
Diogo pardon, Reyros ou Bart Swing. On va le savoir maintenant dans 100 mètres. Mike Paes qui est pour le moment bien positionné. Les autres ne répondent pas. Et c'est Mike Paes qui signe donc cette prime. Mike Paes qui gagne la prime. Bien. Ouais. Intéressant. Diogo qui met une belle relance. Et... Alors que je regarde les Power Cell qui sont en train de discuter entre eux pour savoir qu'est-ce qu'on fait. De toute façon, ils ont leur leader qui est dans l'échappée, donc ils n'ont pas et intérêt à faire remonter le peloton. Pour le moment, celui qui se fait piéger, c'est Nolan. Parce que pour le classement général, avec et regarde Nolan et Giraudeau qui lance l'attaque pour essayer de remonter. Ils n'ont pas le choix de s'activer. Ouais, Nolan n'a pas le choix. Il prend ni un curvé, plongée corde. Quentin, il s'est fait surprendre derrière Timothy. Il est obligé de lancer. Félix, il est en galère aussi, mais il s'accroche. Bastien Lhomme dans la curvé qui va essayer de remonter. Ça y est, la course est lancée. Nolan, de tout, il n'a pas le choix. Il faut qu'il revienne. S'il veut garder sa deuxième place pour les trois pistes, il doit revenir sur Diogo. Obligatoirement. Diogo, il a fait un super mouvement parce qu'il est avec Mike Paes, il est avec Bart. C'est parfait pour rouler. Sachant que voilà, Bart, lui, il a tout à gagner, mais il n'a rien à perdre puisqu'il est d'ores et déjà, on va dire, sauf gros problème, vainqueur de ce trophée 2019 des trois pistes. Maintenant, Mathieu Belloir qui roule avec les patineurs en ligne droite pour essayer de refaire la jonction. Il y en a partout, voilà. Le peloton a explosé. C'est pas une course à points, mais c'est aussi mais dur. Ça y ressemble. Ça y ressemble. Avec pas moins de 3 champions du monde dans cette course. Ça assure un très beau spectacle. Alors pour le moment, on annonce la prime sur le peloton. Il faudra m'expliquer quand même parce qu'il n'y a plus de peloton. Moi, j'aurais plutôt mis la prime quand même aux audacieux à l'avant. Hein. Exactement. Et Bart Swing qui devrait venir. Ah, Diogo Romero. Peut-être une deuxième fois. Qui fait une deuxième. En tout cas, ouais, faut la prime. Faut la mettre à l'avant. Sur notre ami Bart Swing. Allez, Jimmy Duet avec Dorian Hugon qui essaie de revenir, qui essaie de faire la jonction, mais c'est un peu trop dur devant. On a que les costauds. On a en gros. Les champions du monde à l'avant, ou les médaillés. Ou les médaillés mondiaux, voire européens. Mais ça se relève, ça y est. Nolan a corrigé la situation. Et ça repart du côté de Timothy Lubilo, suivi par Bastien Lhomme. Et Diogo Mareros qui tente de répondre à cette attaque et peut-être qu'il veut tenter sa carte pour le classement général. Moi, rien qu'à y regarder, ça me fait mal aux jambes. En tout cas, Timothy, il part, il est dans la curvée. Bastien Lhomme, il l'accompagne. Diogo, très très bien joué parce que ça oublie encore Nolan à refaire un effort maintenant. Il est un petit peu à contre-temps. Gwendal, il est avec Flavien Fouché, on va dire. Les sprinteurs sont dans un deuxième paquet. Alors on a 10 patineurs maintenant, 10-12 patineurs qui sont en tête. 17 tours. 17 tours à parcourir, ça déclinera une prime au tour 15. La cloche va retentir au prochain passage sur la ligne. Voilà, ça temporise maintenant. Voilà, le peloton qui revient, Gwendal qui ramène le peloton et on va dire les sprinteurs avec Flavien Fouché. Alors que Valentin Thiebaud a dû arrêter. Et qui a fait un très très gros travail durant tout le week-end pour le team Power Slide. Et c'est Bastien Lhomme qui tente l'échappée. On a bien joué celle-là. Et le patineur pour les couleurs du Bond Team. Félix qui réagit, Mike Paes qui réagit, Timothy qui réagit. En tout ça cas. Y est, on relance le groupe. On ne veut pas laisser le team Bond partir seul en tête. Diogo, il a une forme incroyable aujourd'hui. Cette piste, il l'adore. Mike Paes aussi. Voilà, 30 euros en tout cas pour Bastien Lhomme qui lui continue, c'est le bon moment. S'il refait 5 tours plus 2 tours d'ailleurs, il peut encore prendre quelques primes. Je rappelle qu'on a rajouté une petite prime surprise au tour numéro 8. La prime Pascal Briand. Allez, ça prend l'incurvé avec le peloton, moi j'adore ça. Il faut que le peloton roule en incurvé, on est à Guillaume-Mestras. On est là pour venir chercher sans sensation. On fait plus de distance, mais... Plus de vitesse. C'est plus de vitesse, c'est plus agréable, c'est les plus belles trajectoires. Bastien Lhomme en tout cas, il fait le tempo. Il a des belles trajectoires, c'est... Même s'il va moins vite, comme il prend un chemin un petit peu plus court, là, pas Bastien, mais Félix. Félix copie ses trajectoires d'ailleurs à l'arrière. Il revient d'un stage d'entraînement il n'y a pas si longtemps que ça à Scatelingo, Spinner, Noale. Et c'est là qu'on apprend à prendre la piste sur les bonnes lignes. C'est pas encore parfait, mais il y a déjà de l'idée. Ça plonge presque au bon moment. C'est un petit peu brutal. Il casse un peu sa courbe un petit peu trop tôt. Mais en tout cas, Bastien Lhomme, il est parti pour faire le plein. Il a pris 30 euros. Il lui reste encore. Il me semble. Non, ça va être la cloche là. Donc peut-être qu'il est parti pour en prendre 30 euros supplémentaires au prochain passage. S'il tient 2 tours de plus, il prendra encore 15 euros. Ouais. En tout cas, Félix, il coince un petit peu là. Ouais. On sent que sa force, mais. Mais qui n'arrive pas à accélérer le rythme.
Et pour le moment, ça fait les affaires de notre Bond. Ah, un petit peu mal aux jambiers. Il se tient les jambiers. J'ai l'impression que il y a quelques douleurs. En tout cas, il a repris 30 euros de plus sur la ligne. S'il tient 400 mètres de plus, il y aura 15 euros en plus. Ah, on sent qu'il commence aussi à coincer de son côté. Alors que du côté du Hugo Gérard. Non, c'est Martin Alexandre. C'est Martin Alexandre qui vient chercher 10 euros peut-être dans deux tours. Voilà, alors que. Allez Bart, il va chercher peut-être les 5 euros supplémentaires. Il est suivi de près par Diogo. 15, 10 et 5 sur la ligne. Une prime sur 3 têtes. Bastien Lhomme qui va venir remporter donc la prime. Pascal Briand à 8 tours de l'arrivée. Ah, lui, il a été rentable quand même, ce qu'il aura fait. C'est ça. 75 euros en 12 tours. 10 euros pour Martin et 5 Alexandre pour Bart. Et Bart 5. Le peloton est en train d'exploser complètement. Gwendal dans le dur. Félix en difficulté à l'arrière du peloton. Ça, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Ouais. Je suis vraiment surpris. Alors, c'est un patineur qui préfère quand même les circuits routiers et les marathons, il faut le savoir. Ouais. Mais quand même. Voilà, donc le peloton s'est regroupé sous l'impulsion de Bart Swing. Et là, ça va encore faire mal, parce qu'on a bientôt un autre sprint qui se prépare. Hein. Ouais, dans 3 tours, deux même tours pas, maintenant. Même pas, hein. Ouais, c'est la cloche. Ah, déjà, ouais. Oui. Donc, prochaine et dernière prime, puisqu'après, ce sera d'arrivée. Victor qui se bastonne un peu pour pas grand-chose avec Mike Paez. À ce moment-là, c'est facile de trouver des places dans le peloton. Il suffit presque de demander, tout le monde est fatigué. Allez, Bart qui relance pour aller chercher une nouvelle prime pour le Team Power Slide. Diogo est à l'affût. Nolan, il s'est bien caché depuis quelques tours. Il sait qu'il doit battre Diogo à l'arrivée. Et regardez, qui est-ce qui commence à faire les troubles fêtes? Jimmy Jouette. Qui part à notre trouble fête de la journée. Notre attaquant du kilomètre. Qui commence à partir alors qu'il reste un kilomètre. Il reste un kilomètre, mais il ne reste plus beaucoup d'énergie dans la machine. Il a fait un gros travail tout à l'heure. Et malheureusement, il en paye les frais. C'était la dernière attaque, je pense, pour lui aujourd'hui. En tout cas, merci Jimmy pour le spectacle. Alors que Jorge Oliveira dit go, 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 Diogo. Trois tours encore à parcourir dans cette catégorie. Les trois derniers tours des trois pistes 2019. Timothy Lobineau qui coupe à l'intérieur pour essayer de gêner Diogo. Nolan Bediaf qui se prépare pour l'emballage final. Ça commence à jouer un petit peu de marre. Oh là, ça se bastonne entre Timothy et Nolan. Timothy qui s'extirpe du peloton et qui prend la pole position et qui lance le sprint à deux tours, je crois, de l'arrivée, si je ne me trompe pas. 400 mètres. Nolan, idéalement placé dans les routes de Diogo. Ça va jouer entre les deux. Le sprint le plus important, de toute manière. On était à trois tours, pardon. Ouais, ça va être la cloche. Il reste 300 mètres. Le sprint le plus important, il est entre Diogo qui est troisième pour le moment, Nolan qui est quatrième. Il va falloir être. Diogo qui passe par. Alors là, ça va repartir au tour. Ça va passer à votre tour. Nolan a réussi à passer. Ça va trotter avec Timothy. Bart également est passé, ça va être l'arrivée sur la ligne. Qui va venir l'emporter? Diogo, piquage corde par Bart Swing. Alors Bart Swing, 1, Diogo 2, au lancer de patin, 3, Nolan. Super passage dans la curve, un petit peu trop bas pour Diogo pour pouvoir espérer résister au retour de Bart. Mike Paez, il me semble 4. Quentin Giraudeau était par là aussi avec Timothy, il avait bien gardé ses forces pour la fin de la course. Voilà, superbe édition du 3-8. Ça discute entre Timothy et Diogo. C'est pas illogique parce que ça fait 2-3 jours qu'ils se cherchaient. Alors attention. Et le Team Rollerblade qui essaie de calmer le jeu entre les deux. Alors. Quentin Giraudeau qui est toujours un patineur très apprécié du peloton. En tout cas, sacré spectacle, sacré dernier demi-tour encore. Bart qui prend la cuve magnifiquement. C'était un très très beau spectacle et c'est à la hauteur de cette compétition qu'on aime ce trophée international des trois pistes. Bravo à Bart, il vient de rajouter son nom au trophée des trois pistes. Ouais, c'est mérité. Bastien Lhomme, sacrée performance, il avait mal un petit peu aux jambes apparemment, mais en tout cas, il a pris quelques bonnes primes. Bravo à tous ces coureurs, à tous ces patineurs, à toutes ces patineuses sur l'ensemble du week-end. C'était impressionnant, c'était intense. Diogo, Nolan, Bart, un trio, alors je ne peux pas dire exactement dans l'ordre, à part pour Bart la première place. Un Mike Paez, le Mexicain de l'équipe Rollerblade, bien classé aussi, qui a fait une jolie compétition malgré une chute à Happy Break le premier jour. Et puis une,
il faut soulever une fente à deux tours de l'arrivée qui va rester, je pense, dans les annales. Voilà. Il s'est bien fait chambrer tout au long du week-end pour cette petite faute de jugement. Voilà, merci à tous en tout cas pour avoir suivi le live. C'était un plaisir en tout cas de commenter avec toi. Merci Damien, on s'est bien régalé. Également. Et puis on espère avoir d'autres courses de la sorte dans quelques temps, d'autres lives. Au championnat de France route du mois à Grenade, il y aura encore un live et sur d'autres compétitions. Merci, on va rendre l'antenne. Merci à Paris Webcube aussi pour la retransmission, à tous ceux qui ont aidé, les caméramans et les incrustations écran, etc. Merci aux organisateurs des trois pistes. Et merci aux trois pistes pour organiser cette compétition. À très bientôt. Merci, au revoir. Salut.